Thank you.
Laisse-moi te dire, va pas y aller.
nous bénisse, la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous. La main de Dieu repose sur la vie des uns et des autres. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus à ce moment spécial, à ce moment de gloire. Partagez la vidéo, et invitez vos amis pendant que nous écoutons ce chant de la victoire de Jovenel Kéros. Je regarde le ciel, je ne vois que Dieu comme toi. Sur le temps de ce monde, je ne trouve que Dieu comme toi. Tu es si grand. Seigneur, merci pour ta grâce, béni sois-tu, merci pour ce moment que tu nous donnes ce jour, Seigneur, de passer en ta présence, que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent, Père. Je m'incline, Seigneur, devant toi en ce jour, pour te donner toute la place, pour te donner toute la gloire, Papa. Prends toute la place, Seigneur, notre Père et notre Dieu. Purifie, sanctifie, point et dispose le canal que je suis, Seigneur. Que je sois purifié de toute impureté, sanctifié de toute souillure, lavé de toute iniquité, Dieu. Que mon vêtement soit lavé dans le sang de l'agneau. Que je sois purifié, sanctifié, renouvelé, restauré en mon âme, en mon esprit, en mon corps, en mon cœur, en mes pensées, en mes paroles, en mes sentiments, en mes émotions, en mes actions, Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tout ce qui n'est point de toi, Seigneur, soit ôté de ma vie au nom de Jésus-Christ. Et que ta puissance soit manifestée, Papa, au nom de Jésus-Christ. Je détruis toute attaque contre ce lieu. Je détruis toute attaque contre ce moment. Je détruis toute œuvre du malin par la puissance de Dieu. Que je proclame ta grâce et ta gloire, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois loué, sois magnifié par l'onction et la puissance de ton Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, que les portes s'ouvrent, Seigneur notre Père, dans la vie des uns et des autres en ce jour, Seigneur. Et que ton nom soit glorifié, Père, dans la vie de quelqu'un. Que toute attaque, Seigneur mon Dieu, contre ce moment soit brisée, détruite, anéantie, chassé dans le nom de Jésus, que ton règne soit, que ton règne vienne, Père, et que ta gloire soit manifestée au nom puissant de Jésus-Christ.
Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci, Seigneur éternel, Dieu des armées. Nous bénissons ton nom, roi des rois. Nous élevons ton nom, Dieu vivant. Nous bénissons ton nom, Dieu tout puissant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tends ta main, Seigneur, localise quelqu'un dans son pays, localise quelqu'un dans sa région, localise quelqu'un dans sa patrie, localise quelqu'un dans cette salle, localise quelqu'un dans son appartement, Dieu, et fais du bien à quelqu'un, Seigneur, qui nous suit quelque part, de près comme de loin, Seigneur, dans le temps puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci, Seigneur, notre Père et notre Dieu, que toute la gloire te soit donnée par la puissance de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant, au nom vivant, au nom glorieux de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu nous bénisse et que la grâce de Dieu soit manifestée dans la vie des uns et des autres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le Seigneur et nous rendons grâce à Dieu. Shalom à vous, shalom à tous, shalom à toutes. Tous ceux qui sont dans cette salle et tous ceux qui nous suivent depuis Internet, donnez-nous vos positions pour que nous puissions vous saluer depuis notre position par la grâce de Dieu. Ange victoire, shalom. La grâce de Dieu repose sur ta vie. Dieu bénisse tous ceux et toutes celles qui sont en train de nous suivre présentement depuis leur lieu par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Irène, shalom. La grâce de Dieu repose sur ta vie. Demeure béni dans le nom de Jésus. Jocelyne Seri, shalom. Shalom à tous ceux et à toutes celles qui se connectent présentement et qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse énormément et que sa grâce repose sur vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à la troisième et dernière partie de notre séminaire sur le mariage. Nous allons procéder, Dieu aidant, à quelques rappels. Et puis, nous allons y aller ce jour, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons aller dans un moment fort de prière, de proclamation, de délivrance, de déblocage, d'exaucement par la grâce de Dieu, vis-à-vis de tous les blocages que plusieurs personnes rencontrent en ce qui concerne les dots, en ce qui concerne les fiançailles, en ce qui concerne les mariages et en ce qui concerne les foyers par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit avec nous, tout en commençant par les annonces, comme nous sommes en train de le dire, partagez le direct à tous ceux qui nous suivent depuis les Amériques. Que le Seigneur vous bénisse, la grâce de Dieu repose sur vos vies. Je parle du Canada, je parle des États-Unis, je parle de l'Amérique du Sud. Dieu vous bénisse, connectez-vous, partagez la vidéo, que la grâce de Dieu soit avec vous. Tous ceux qui nous suivent depuis l'Asie, grâce et paix du Seigneur sur vos vies, demeurez bénis et partagez la vidéo. Tous ceux qui nous suivent depuis l'Europe, la grâce de Dieu repose sur vos vies, demeurez bénis et partagez la vidéo. Tous ceux qui nous suivent depuis l'Afrique, la grâce et la paix du Seigneur reposent sur vos vies, demeurez bénis et partagez la vidéo dans le nom de Jésus. Tous ceux et toutes celles qui nous suivent depuis les îles, la grâce de Dieu repose sur vos vies, demeurez bénis et partagez la vidéo dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui nous suivent sur Facebook, grâce et paix du Seigneur sur vos vies, demeurez bénis. Tous ceux qui nous suivent sur YouTube, le Seigneur soit avec vous et que sa grâce repose sur vos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, nous sommes à un moment spécial. Il est vrai qu'en ce jour, nous avons normalement ce que nous appelons communément notre jour de miracle, de guérison, de délivrance, etc. Mais il se trouve que nous sommes dans un moment spécial vis-à-vis de tout ce que les uns et les autres rencontrent sur le plan foyer, sur le plan mariage, sur le plan conjugal, sur le plan de la famille. C'est pourquoi nous faisons ce séminaire afin que les uns et les autres soient bénis, soient richement bénis par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu bénisse ses serviteurs, Dieu bénisse ses servantes, Dieu bénisse ses oints au nom de Jésus-Christ, tout en rappelant avant d'entamer le sujet de ce jour que nous avons 4 jours dans la semaine où nous faisons le direct. Tous les mardis soirs de 18h à 20h GMT, nous avons le direct que nous appelons le spécial mardi de gloire, moment d'intercession, le sujet de prière d'ordre généraux. Vous vous connectez tous les mardis, vous suivez le direct et lorsque le téléphone est ouvert, vous pouvez appeler pour, je vais dire, présenter un sujet de prière, une intention de prière, afin de l'avoir de l'assistance spirituelle par la grâce de Dieu. Tous les jeudis, nous avons ce que nous appelons le jeudi de miracle, spécial guérison, délivrance.
délivrance, déblocage, exaucement par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez venir si vous avez des situations de blocage, d'échec, etc. Tous les jeudis, vous êtes là afin que Dieu opère le miracle et que le déblocage soit parfait dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les samedis, nous avons le direct que nous appelons la consultation prophétique. Vous pouvez intervenir en cherchant à comprendre ce qui se passe dans vos vies au travers de la révélation de Dieu dans la vie des uns et des autres. Et tous les dimanches, nous avons ce que nous appelons le Rhéma et le Logos, soit des moments d'enseignement de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et entre-temps, nous avons des directs de façon spéciale. Comme ce jour, nous sommes à la troisième et à la dernière partie de notre programme sur le mariage. Ce jour, par la grâce du Seigneur, c'est un moment de délivrance, un moment de déblocage, un moment de prière, un moment de proclamation afin de rentrer dans notre bénédiction, dans notre destinée prophétique. Et tous ceux et toutes celles qui nous suivent de loin comme de près, nous croyons en la grâce de Dieu dans vos vies pour vous ouvrir les portes au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous retrouvons présentement au siège de l'église Mikrem au Maroc, à Casablanca, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, depuis lequel nous émettons sur YouTube et sur Facebook. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, demeurez bénis, partagez la vidéo et que la grâce de Dieu soit avec vous. Voilà. Donc, juste pour dire que nous sommes à la troisième séance, un séminaire sur le mariage par la grâce de Dieu. La première séance, nous avons parlé sur le mariage. La deuxième séance, nous avons ouvert aussi les questions. Nous avons parlé sur le mariage, mais nous avons abordé un autre thème, un autre volet du mariage. Et nous avons parlé de beaucoup de choses. Aujourd'hui, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que lorsque nous allons commencer à rentrer dans le vif du sujet, plusieurs personnes ne pourront pas peut-être poser la question parce qu'aujourd'hui c'est un moment de délivrance et de déblocage. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, dans la prière, tous ceux et toutes celles qui avaient des questions, tous ceux et toutes celles qui ont des questions, tous ceux et toutes celles qui auraient des préoccupations, c'est le moment, que ce soit des personnes qui soient dans la salle ou bien sur YouTube ou bien sur Facebook, de bien vouloir intervenir maintenant afin que nous puissions aller de l'avant par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur nos vies. J'aimerais poser une question qui m'a été posée depuis la France. La question était de savoir si, est-ce que quand on se marie avec une personne qui est chrétienne mais qui a un comportement indécent, comment est-ce que la personne doit se comporter? Est-ce qu'elle doit rester là dans ce foyer ou quitter la personne? C'est-à-dire, tu es dans le foyer avec le chrétien te bat, il a un comportement qui n'est pas décent selon la Bible. Dans ce genre de cas-là, elle fait comment? Elle reste là ou elle quitte? C'est la question. D'accord. Donc, nous sommes avec la première question. La femme, elle est chrétienne, c'est ça? Oui. Le monsieur est chrétien? Bon, il va à l'église. D'accord. Donc, pour ce qui concernait le mariage, nous avions dit qu'il y a des personnes qui vont à l'église, mais qui ne sont pas forcément chrétiens, mais qui appartiennent à une communauté religieuse. Je vous avais donné comme exemple l'exemple de la douche. Il y a des gens, eux-mêmes, n'aiment pas se laver, donc ils ne rentrent même pas dans la douche. Il y en a, il ne faut pas en dire, tu ne t'es pas lavé. Donc, quand ils rentrent dans la douche, ils versent l'eau sur lui, ils s'est rincé, il est sorti. Il y en a aussi qui vont faire juste leurs ablutions. Ils vont laver leur nez, leurs oreilles, etc. Vous savez ce que c'est, leurs pieds, leurs coudes, ils vont mettre ici, etc. Ils vont sortir. Il y a d'autres aussi qui vont rentrer, ils vont mettre un peu de savon sur eux, et puis ils vont se rincer, ils vont sortir. Il y en a d'autres aussi, quand ils vont rentrer, ils vont prendre l'éponge, le savon, ils vont se laver correctement, ils vont se rincer, ils vont sortir. Tous ceux qui sont rentrés dans la douche, eux tous sont rentrés dans un même état. C'est-à-dire tout le monde était sale, mais ils ne sont pas sortis dans le même état. Parce qu'il y a des gens qui sont sortis propres, il y a d'autres qui sont sortis sales. Vous comprenez? C'est comme à l'église. Tout le monde vient à l'église, tout le monde rentre dans le bâtiment, mais tout le monde n'a pas le même état, la même présentation devant Dieu. C'est en fonction des actions que tu poses. Et donc, le chrétien n'est pas celui qui appartient à une dénomination, à une communauté chrétienne ou à une communauté religieuse, parce que dans les, il y a certaines églises même où des sorciers sont assis, des sorcières sont assises en train de faire l'œuvre de leur maître, le diable, pour essayer de déstabiliser l'église. C'est pourquoi on a dit au départ, c'est-à-dire que le fondement même a été raté. C'est-à-dire du fait que les deux personnes se sont mises ensemble, elles se sont mises ensemble certainement sur un mauvais fondement. Parce que si quelqu'un avait pris le soin de réellement prier, Dieu lui aurait dit que la personne qui est en face de toi là vient dans ton église mais n'est pas convertie. Et donc il y a eu d'abord un raté de fondement. L'un des fondements du mariage que nous avions dit, nous avons parlé de comment est-ce que Adam et Ève se sont mariés. La Bible dit qu'avant que Ève ne vienne,
Dieu a donné certaines conditions à Adam. On ne va pas trop revenir dessus, mais la Bible dit que Dieu a fait endormir Adam. Et quand il a fait endormir Adam, il a enlevé la côte. Il a fabriqué Ève. Et quand il a fabriqué Ève, il a envoyé Ève vers Adam. Il a dit, voici, cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de la côte de l'homme. D'accord. Donc ici, on nous a dit que lorsque Adam était en train de dormir, lorsque vous dormez, vous faites un rêve. On appelle rêve aussi, dans les rêves aussi, Dieu se révèle à nous au travers de certaines visions nocturnes qu'on appelle des songes. Et lorsque Dieu se révèle à toi, Dieu te parle, Dieu te montre quelque chose. Vous comprenez? Donc quand Adam a dit, voici celle qui est, c'est comme quelqu'un qui l'a reconnu comme son semblable. On ne peut reconnaître quelque chose qu'on a connu auparavant. Et à quel moment Adam a pu connaître Ève avant de l'avoir rencontrée, ça ne peut être que dans la révélation quand il dormait. Autrement dit, il est rentré dans un sommeil. Le sommeil, ça dit qu'il est rentré dans l'esprit pour parler certainement avec le Seigneur afin que Dieu lui donne des orientations. Et l'homme, après qu'il a reçu ces orientations, qu'il a vu la personne à partir de laquelle, ça dit que toutes les instructions qui lui ont été données là, il a reconnu que c'est cette personne à partir de la révélation qu'il a eue. Et donc Adam ne s'est pas trompé sur la personne qu'il a choisie. Mais il peut se trouver que ce soit quand même la bonne personne, mais que vous ayez des problèmes en cours de chemin. C'est en ce sens que l'apôtre Paul a dit, vous aurez des tribulations dans la chair. Mais lorsque le Seigneur est le fondement de votre foyer, c'est pourquoi je dis souvent, quand deux chrétiens se battent, on ne dit pas qui a raison, on dit la parole de Dieu dit quoi. Parce qu'on dit qui a raison, on veut prendre parti pour quelqu'un. Mais quand on dit la Bible dit quoi là, chacun va reconnaître son tort. Toi qui l'as insulté, toi qui l'as injuré, etc., tu vas voir ton tort, et puis tu vas demander pardon, tu vas te repentir. Donc si la Bible est notre fondement en tant que chrétien, je parle des véritables chrétiens, je ne parle pas de ceux qui vont à l'église. Si la Bible est son fondement, il ne va pas se lever pour battre sa femme, pour la maltraiter parce que la femme est sa propre chair. Et donc la femme là, c'est un peu comme sa maman, c'est un peu comme sa sœur, c'est un peu comme sa mère, etc. C'est sa propre chair. Et donc personne ne maltraite jamais sa propre chair. Donc pour arriver à ce niveau-là, il faille que spirituellement parlant, quelque chose n'aille pas bien chez lui. Donc, si on a laissé tous ces caps, qu'on en revient à leur problème, il se trouve que c'est un problème qui est survenu dans le foyer. Le problème qui est survenu dans le foyer ne crée pas automatiquement la séparation. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que lorsque vous avez un enfant, et que l'enfant là-même, c'est lui qui est bandit, qui vole l'argent, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de le redresser, de le corriger pour qu'il soit redressé. Vous ne le foutez pas dehors pour qu'il devienne un enfant de rue. Vous comprenez? D'accord. Donc, lorsque tu as un mari, ou bien lorsque tu as une femme qui est en train de perdre un peu les pédales, c'est pourquoi on dit que la femme est une aide. Si la femme est une aide, l'homme aussi quelque part est une aide. Ça veut dire que quand quelqu'un ne va pas quelque part, il faut l'aider. Maintenant, là où ça s'en va, c'est pourquoi on a dit la dernière fois, quand ça rentre dans une question de vie ou de mort, il faut prendre du recul. Parce que ce n'est pas parce que tu es marié que le monsieur veut te tuer, mais la femme veut te tuer, que tu t'assoies. Non, vous ne divorcez pas. Maintenant là, non, mais tu prends du recul pour sauver ta vie d'abord en attendant de voir ce qui est en train de se passer, s'il y a une solution ou pas. Donc, le monsieur qui est en train de battre sa femme, le monsieur qui est en train de maltraiter sa femme, le monsieur qui est en train de se lever contre sa femme, il est en train de se lever contre sa propre chair et il est en train de se lever contre certains commandements du Seigneur qui lui disent « Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour lui. » Donc, je suis en train de voir que le monsieur, il porte le nom de chrétien, mais il a un problème de conversion. Il porte le nom de chrétien, mais il a un problème de crainte de Dieu. Il porte le nom de chrétien, mais il a un problème d'amour. Parce que le véritable amour, même si tu t'es mis en colère, tu vas revenir de ta colère, toi-même, même si tu as raison, pour dire excuse-moi, etc., je me suis emporté, et revenir à de bons sentiments, revenir à de meilleurs sentiments vis-à-vis de le conjoint. Donc, quand il y a un problème, la première option doit jamais être le divorce. La première option doit être d'abord la solution. C'est lorsqu'on essaie toutes les solutions que ça ne va pas qu'on peut explorer d'autres pistes. Donc la dame qui est rentrée avec le monsieur, les deux là, je ne sais pas comment ils se sont mis ensemble, mais ça ressemble à un problème de faux fondement. Peut-être que c'était d'un copinage quelque part, ils se sont mis ensemble. Ou bien c'est quelqu'un qui voulait des papiers et puis ils se sont mis ensemble. Ou bien c'est quelqu'un qui voulait voyager et ils se sont mis ensemble. Ou bien c'est quelqu'un qui avait besoin d'une sécurité sociale que le monsieur pouvait lui offrir et bien il est rentré dans cette affaire. Parce que pour rentrer comme ça dans une alliance, dans une union en tant que chrétien, si tu as pris réellement le soin de prier le Seigneur, je ne crois pas que Dieu va te donner quelqu'un qui va te tuer quand même.
Je ne crois pas que Dieu va te donner quelqu'un qui va te maltraiter au point où tu vas perdre la vie, où tu seras complètement dénigré et dégradé. En général, ce genre de foyer, je vais dire, relève de faux fondements en général. Faux fondements, pourquoi? Parce que pour arriver jusqu'à ce point, au point de maltraiter sa femme, battre là, vous êtes rentré dans un conflit de palabres, mais maltraiter encore, battre, peut-être que vous êtes, je vais dire, vous êtes mis en colère et puis vous êtes tiraillé, mais maltraiter, ça veut dire que la traiter d'une manière indécente, là on ne parle même pas de palabres, ça veut dire que soit tu te fous d'elle, soit tu ne la respectes pas, soit tu ne lui donnes pas à manger, soit tu la prives de certaines choses, tu la contrains à ne même pas bouger, à ne pas voir sa famille, tu la contrains dans certaines choses, c'est un peu comme une séquestration. Et tu n'as pas épousé quelqu'un que tu aimes pour le séquestrer. Tu n'as pas épousé quelqu'un que tu aimes pour le tuer, pour le faire souffrir. Il y a un problème d'amour, il y a un problème de conversion, il y a un problème de fond. Donc ces deux personnes-là ont un problème de fondement dans leur mariage. Parce que quand les fondements sont renversés, il y a un problème devant. Donc c'est un problème de fondement qui a été renversé. Il faut revenir au point de départ pour voir sur quelle base ils se sont mis ensemble, sur quoi ils se sont entendus, et puis voir quelles sont les solutions à apporter. Mais tout compte fait, il faut encore beaucoup plus d'éclaircissement. Pourquoi? Parce que si c'est parce que le monsieur, par exemple, c'est un ivrogne, il va boire, et puis quand il est saoulé, chaque fois qu'il est saoulé, il la frappe, la solution se trouve dans le fait d'arrêter la boisson. Donc, ce n'est pas quelqu'un peut-être qui la frappe d'ordinaire, mais dès qu'il boit, il devient violent. La solution, c'est comment il va arrêter la boisson. Peut-être que c'est la drogue. Peut-être que c'est le stress de son travail. Ou bien peut-être que c'est le manque de respect de la femme. Quand il dit un mot, elle insulte trois. Bon, il faut comprendre le fondement de ce qui fait qu'il se bagarre. Et puis, on va pouvoir apporter une solution correcte. Mais, tout compte fait, en général, il y a un problème de fondement. Ok. Vas-y. Amen. Amen. Papa, moi j'ai une question. Le dimanche, vous avez donné un témoignage d'un pasteur qui était avec sa femme et il a divorcé sa femme parce que sa femme l'a trompé plus de 7 fois, il n'en pouvait plus la divorcer. Et j'aimerais savoir, un, est-ce que si c'était vraiment sa femme, est-ce que c'est Dieu qui l'a convaincu de passer derrière? En deuxième position, si c'est vraiment, vraiment, vraiment sa femme et Dieu l'a convaincu, pourquoi il n'a pas pu sauver sa relation? Et en troisième question, si Dieu te convainc de épouser une femme, est-ce que le divorce doit avoir lieu? D'accord, on commence par la première question. La première, c'était laquelle? Première question, est-ce que Dieu l'a-t-il convaincu que c'était sa femme? Comme c'est un pasteur, forcément. D'accord, ok. Il y a ce qu'on appelle, je ne vais pas dire des accidents, mais des incidents au cours de parcours. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu es avec ta femme dans une ville. Elle va à l'église avec ses amis, tout ça, tout se passe bien. Vous déménagez. Vous arrivez dans un quartier où elle commence à fréquenter un certain genre de femmes qui sont soit des commères, ou bien des femmes légères, ou bien certaines personnes qui ont une mauvaise, qui ont une mauvaise influence. Si elle n'y prend garde, on dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si elle n'y prend garde, la femme qui était bien, correcte là, risque de commencer à rentrer dans certaines choses si elle y prend garde, en commençant à avoir certaines habitudes. Tu ne l'as pas rencontrée comme ça. Tu ne l'as pas prise comme ça. Tu ne l'as pas connue comme ça. Quand tu la connaissais, elle partait à l'église. Elle jeûnait, elle priait. Elle attachait ses pieds, ses bras, son nez, ses foulards, sa bouche. On ne voit même pas peut-être ses yeux. Elle est comme ça. Elle prie, elle jeûne, elle intercède. En cours de chemin, il peut arriver beaucoup de choses. Beaucoup de choses, deux fois même, par le monsieur lui-même. Le monsieur lui-même, peut-être une femme qui était respectueuse, à force de l'insulter tout le temps, elle risque de finir par devenir impolie un matin. Ça, c'est juste un exemple. Maintenant, ça peut être que la femme se trouve dans un cadre où elle a une mauvaise influence. Et puis, elle commence à basculer à cause de ses mauvaises compagnies, etc. L'apôtre Paul a dit, vous pouvez vous marier, mais vous aurez des tribulations dans la chair. Ça veut dire qu'il y aura des problèmes. C'est pourquoi un mari doit veiller sur sa femme, une femme doit veiller sur son mari chaque jour. Et Dieu a demandé à Caïn, « Caïn, où est ton frère Abel ?» Il a dit, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Si j'étais là, j'allais répondre à Caïn, « Oui, tu es le gardien de ton frère. » Parce que le mari doit veiller sur sa femme pour que rien de mal n'arrive à la femme, et la femme doit veiller sur son mari pour que rien de mal n'arrive au mari, et le mari et la femme doivent veiller sur les enfants pour que rien n'arrive de mal aux enfants. C'est comme ça. Donc, il peut se trouver que, parce que je ne crois pas que s'il avait trouvé une femme légère, il l'aurait épousée, jamais. Parce que son ministère allait prendre un coup.
sa vie allait prendre un coup, et puis même le témoignage autour de lui, ça allait jouer. Donc s'il a épousé, un d'abord, en tant que pasteur, certainement il a prié, il en a été convaincu. Deux, c'est qu'il a trouvé comme une femme qui n'était pas légère, qui était peut-être pieuse pour l'épouser. En cours de chemin, voici ce qui s'est passé. Pour lui pardonner, et je ne dis pas que c'est des mondiens, il dit flagrant délit d'adultère. C'est ce qu'on appelle flagrant délit. La personne est en train de commettre l'adultère et puis tu l'as attrapé. Donc une fois, il a pardonné. Deux fois, il a pardonné. Trois fois, il a pardonné. Quatre fois, il a pardonné. Cinq fois, il a pardonné. Six fois, il a pardonné. Sept fois, il dit c'est bon. Donc, ici, tu vois, ce quelqu'un-là, tu vois, quand on pêche contre le Seigneur, quand on demande pardon à Dieu, Dieu nous pardonne à une certaine condition. Proverbe chapitre 28, verset, Proverbe, je crois, Proverbe 28, 13, il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dieu ne pardonne pas à tout le monde. Dieu pardonne à une catégorie de personnes qui respectent cette parole de Proverbe. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. C'est-à-dire que quand tu as péché, et puis tu ne t'es pas confessé pour demander pardon à Dieu, toi tu es bloqué là dans ton péché. Tu ne prospères point. C'est-à-dire que le péché est sur toi, tu es lié, tu es bloqué. Mais regardez à celui à qui Dieu pardonne. Il dit, mais celui qui les avoue et quoi? Et les délaisse. Il obtient miséricorde. Le « et » là, c'est une conjonction de coordination. Donc il y a deux choses qui doivent rentrer en ligne de compte. Celui qui les avoue, c'est-à-dire que tu as péché et puis tu as dit « Dieu, je te demande pardon parce que j'ai péché. » Et les délaisse, c'est-à-dire que le péché que tu as commis là, tu ne retournes plus dedans, tu abandonnes son péché, c'est celui-là qui obtient la miséricorde. Quand il dit à quelqu'un devant toi, tu lui marches sur son pied, puis tu lui dis pardon. Il va dire, ok, j'ai compris. Tu marches sur son pied, puis tu lui dis pardon. Il va dire, j'ai compris. Tu marches sur son pied, il va te gifler, il va te dire, fais exprès. Tu comprends? Parce que tu es en train de faire ça une habitude. Donc, il va voir que ton pardon, ta repentance, là, n'est pas sincère. Donc, pour te pardonner, ça sera difficile. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, celui à qui Dieu pardonne là, c'est celui qui ne cache pas ses transgressions, qui les avoue et qui les délaisse. Donc cette femme-là aurait obtenu le pardon complet de son mari si après même 6 adultères même, elle va dire, papa, c'est bon, je vais changer. Il était prêt à garder sa femme. Écoute, j'ai des gens même là-dessus, les ont dit seulement là, ou bien il a vu message, SMS, il ne comprend rien même là, c'est un scandale même, il se sépare d'elle. Combien d'unions ne se sont pas brisées sur SMS, message vocal, ou bien on a dit. Lui, ce n'est pas une affaire de on a dit. Il a pris en flagrant délit d'adultère une fois, il lui a pardonné. Deux fois, jusqu'à 7. Il a vu que c'est quelqu'un à qui il a pardonné, qu'il aime, mais qui n'est pas prêt à changer. Donc, quand il a regardé là, il a vu que c'est quelqu'un pratiquement peut-être qui a choisi une vie de dissolution, de débauche, etc. Là, il est en danger. Elle peut lui envoyer le MST, le VIH-SIDA, beaucoup de choses comme ça. Elle peut aller prendre des démons pour envoyer, etc. Il est exposé et tous les amants de cette femme-là peuvent se retourner contre lui parce que c'est lui peut-être qui empêche la femme de fois de sortir pour aller les voir. C'est-à-dire la femme même a mis même sa vie en danger, sur le plan spirituel comme sur le plan physique. Donc il a décidé de lui donner sa liberté parce que c'est la vie qu'elle a choisie. C'est en cela qu'il s'est séparé d'elle. Parce que là, il n'en pouvait plus. C'est-à-dire, c'est quelqu'un même qui n'est pas prêt à se repentir, à changer, qui insiste dans son état d'adultère. C'est pourquoi il a préféré se séparer d'elle. Donc, ce n'est pas qu'il a trouvé dans cette situation, non. Certainement, au cours du chemin, des situations sont venues. Tu vois, deux fois, il y a des gens, tu les trouves chrétiens en janvier, février, ils font des sessions, mars, ils ont un peu de problèmes. Avril, tu vas les voir. Il y en a même, tu vois, dans les églises, mais eux, ils dirigent. L'année prochaine, tu le vois, il est en train de fumer. Ou bien, il prend la drogue quelque part. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que celui-là, c'est lui-même celui qui en prenait exemple, pour prier, pour jeûner. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'il devienne comme ça? C'est pas seulement les chrétiens. Il y a des hommes de Dieu, mais des serviteurs de Dieu, des chrétiens, des prédicateurs, etc. Que vous pouvez voir tous zélés avec de grands ministères pendant un moment. D'autres moments, vous les voyez éteints complètement. Pourquoi? Il y en a qui ont connu des problèmes d'adultère. Il y en a qui ont connu des problèmes financiers. Il y en a qui ont connu des problèmes spirituels. Il y en a qui ont connu des attaques, etc. Beaucoup de choses
qui les a emmenés là-bas. Mais tout compte fait, il faut donner la latitude à chacun de vraiment pouvoir se repentir et changer. Mais si la personne te montre qu'elle n'est plus prête à changer, qu'elle a choisi un mode de vie de péché, ça sera difficile la collaboration à ce moment-là. Maintenant, ta question c'est que, est-ce que si c'était vraiment la femme que Dieu lui a donnée, est-ce qu'il avait le droit de se séparer? Est-ce que la séparation, le divorce devait avoir lieu? Est-ce que la séparation, le divorce devait avoir lieu? Entre ce que Dieu te donne et ce que tu en fais, c'est différent. Dieu te donne un enfant. C'est toi qui es responsable de son éducation. S'il est devenu ministre irresponsable, s'il est devenu brigand irresponsable, tu es chargé de le mettre à l'école. Dieu ne mettra pas à l'école pour toi. Dieu ne fera pas l'éducation pour toi. Dieu ne donnera pas petit déjeuner d'âme pour toi. Dieu te donne les moyens pour que tu t'en charges. On te l'a confié. Donc, cette femme-là, elle est venue avec cet homme. À écouter son témoignage, il a fait tout ce qu'il a pu faire pour que cette femme-là soit dans les bonnes conditions. Il a reconnu que c'est une femme avec qui il a aimé, avec qui il a marché et qu'il a cherché à redresser d'une manière ou d'une autre. Il lui a donné toute la latitude de changer. Peut-être même qu'il a prié pour elle, jeûné, intercédé, etc. Mais cette flagrante délit d'adultère, et puis je ne crois pas que ce soit avec la même personne, c'est comme tu dis à Dieu que Dieu, il ne faut pas te fatiguer. Chaque fois que tu me pardonnes, moi j'ai décidé de vivre dans le péché. Il ne faut même pas te fatiguer pour moi, c'est la voie que j'ai choisie. Toi, il n'y a plus rien à faire pour toi. Mais quelqu'un qui reconnaît qu'il a péché, qui demande pardon à Dieu, qui veut changer, Dieu lui pardonne. Mais quelqu'un qui dit à Dieu, ah, tu es derrière moi encore. Je crois que c'est toi qui m'avais raconté ça. Non, c'est sur Internet. Un Camerounais qui avait eu un rêve. Je crois que j'ai entendu sur Internet. Je ne sais pas si vous l'avez entendu aussi. Vous l'avez entendu. Et puis il était mort dans le rêve. Et dans le rêve, quand il était mort, le Seigneur voulait le ressusciter. Et puis il a dit au Seigneur, mais toi-même là, tu t'es fatigué, hein? C'est moi qui t'ai venu me ressusciter. Tu ne sais pas qu'à Douala, Douala est dû. Elle a le problème de Douala. Il faut me laisser de ma mort, c'est bon comme ça. Il a fait le direct sur Facebook. Le lendemain, je ne sais pas s'il partait ou ça, il a eu quelque chose, paf. Il est tombé, il est mort. Donc lui là, peut-être que s'il avait dit au Seigneur, ressuscite-moi, peut-être que quelque chose s'est passé pour le réveiller. Il a choisi la mort, il est resté dans la mort. Tu comprends? Donc, en fonction du choix que tu fais, en fonction de la décision que tu prends, les choses t'arrivent. Il y a des incidents de parcours. Il y a des... Normalement, on ne doit pas divorcer. Mais il y a des cas de force majeure qui peuvent, il y a des qui peuvent, entraîner un divorce. Des cas de force majeure. La Bible a parlé de la mort de quelqu'un, la Bible a parlé de l'infidélité. Donc lui, dans sa position là, même dans l'infidélité, il a pardonné et puis il voulait encore sa femme. Jusqu'en cette fois, il dit c'est bon. Donc celui-là, je ne crois pas que vraiment on va lui reprocher ça. Parce qu'il a fait tout ce qui était dans son pouvoir. Malgré que la Bible lui donnait le droit de divorcer, il dit divorce pas. Elle a trompé, il a pris encore. Deuxième fois, flagrant délit d'adultère. Il avait le droit de divorcer, il dit divorce pas. Jusqu'à sept fois, puis il dit c'est bon. Donc un homme comme ça dans sa position là, c'est comme quelqu'un, il a pris ton argent, tu as le droit de réclamer, puis tu dis non, tu ne prends pas. C'est ton choix. Lui, il a le droit de réclamer un divorce. Il dit non, lui il aime sa femme, il la garde. Mais elle lui a montré qu'il est en train de se fatiguer, tout ce qu'il fait là. Elle n'est plus dedans, elle a décidé de mener une vie, tout ce qu'il fait là, il se fatigue. Donc il l'a laissé à sa vie. Donc c'est un cas de force majeure. Ce n'est pas quelqu'un qui a vraiment voulu quelque chose, c'est un cas de force majeure. Dieu nous bénisse. Y aura-t-il des questions encore? Pour ceux qui... Maman, tu suis avec ceux qui sont en ligne aussi? Oui, oui. D'accord, ok. Donc ceux qui sont dans la salle et ceux qui sont en ligne... Certains qui sont au travail qui... D'accord, parce que je ne sais pas si on pourra faire des questions après le moment de prière que nous allons faire aujourd'hui. Parce que c'est un temps de déblocage et de délivrance dans lequel on va rentrer. Par la grâce du Seigneur, si nous n'avons plus de questions pour l'instant, nous allons entrer dans la phase d'aujourd'hui par la grâce du Seigneur qui est beaucoup plus une phase de prière et de déblocage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des questions.
Oui. La question, c'est que c'est quelqu'un qui a fini de faire son mariage et après le mariage, sa femme lui a avoué qu'elle est sorcière. Et que avant de se marier, là, comment lui l'a fait pour ne pas se rendre compte qu'elle était sorcière. Mais comme elle est sorcière, c'est, il va assumer ça. Dans ce genre de cas-là, il est chrétien. C'est dans l'église, il a connu aussi la femme. Mm-hmm. Il la quitte, il demande immédiatement le divorce ou bien il force dans ce mariage où la femme lui avoue qu'elle est sorcière parce qu'elle a déposé des choses dans le frigo qu'il a découvert. Dans ce cas-là, où elle-même lui dit que je suis sorcière, il fait comment? D'accord. Est-ce que le mariage a été consommé? Oui, parce qu'ils avaient fini même le mariage. Ils ont fini les noces. Les noces, c'est dans la semaine même d'accord. De leur vie à domicile. La Bible n'a jamais dit pour cause des problèmes spirituels, elle est divorcée. La Bible dit pour cause. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, je ne sais pas comment je fais comprendre ça aux gens. Vous voyez, l'avion, quand il s'en va, il ne peut pas faire marche arrière. C'est un peu comme ça le mariage chrétien. Les possibilités de marche arrière sont très minimes, très minces, quasi nulles. Je vous explique, voilà. C'est-à-dire qu'il y a des conditions, des circonstances atténuantes, mais elles sont infimes. Parce que c'était voyage pour la vie. Regardez, avant d'arriver même à l'église, quand le maire vous demande là, qu'est-ce que vous récitez? Je te promets fidélité jusqu'à ce que quoi? La mort, je ne sais pas. Ce n'est pas le pasteur qui a dit, c'est ta propre bouche qui a dit devant le ciel et puis devant la terre pour dire que toi, Yessier, toi, jusqu'à la mort, tu arrives à l'église encore, les anges sont là, le Seigneur est là et puis les démons sont dehors, ils vous regardent. Et tous les sorciers du village ont mis leur caméra et puis toi tu dis, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Le ciel a enregistré, la terre a enregistré. La mort ne vous a pas encore séparé, tu veux partir. Donc, ce que je suis en train de dire, avant de rentrer dans le mariage, c'est l'une des décisions les plus importantes de la vie d'un chrétien. Parce qu'il y a la première décision la plus importante, c'est le fait d'accepter Jésus-Christ pour être sauvé. Après cela, l'une des décisions les plus importantes, c'est la décision du choix de ton conjoint. Si tu as raté ça, tu peux rater ta destinée. Tu peux rater ta vie, tu peux rater ton ministère, tu peux rater ton travail. Écoute-moi bien, tu as mélangé, tu as stressé la maison avant de sortir. Tu risques de faire même un truc bizarre même. Si tu travailles dans une machine, ça peut couper ta main tellement tu n'es pas concentré. Il y a d'autres mecs qui finissent par là au foyer, ils sortent dans la voiture, font accident. Parce qu'ils sont en train de réfléchir, ils sont en train de penser. Parce que c'est à la maison que tu dors, que ton âme se repose, que tu prends l'énergie, la prière, les ressources nécessaires pour affronter la vidéo. C'est à la maison que tu te reposes. Donc si tu n'as pas pu dormir à la maison, tu n'as pas pu te reposer, tu n'as pas pu prier dehors, là, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu ne pourras pas. C'est pourquoi on ne prend pas une décision de mariage comme on cherche à acheter un légume au marché. Si tu as fait ça, tu t'es condamné. C'est pourquoi avant de dire oui à un conjoint, si tu veux, il faut prendre une seconde. Si tu veux, il faut prendre une minute. Si tu veux, il faut prendre une heure. Si tu veux, il faut prendre un jour. Si tu veux, il faut prendre une semaine. Si tu veux, il faut prendre un mois. Si tu veux, il faut prendre un an. Mais il faut bien calculer, il faut bien réfléchir, il faut bien prier. Parce que le chemin dans lequel tu t'es engagé là, tu t'es engagé pour la vie. Donc, un chemin dans lequel tu t'engages pour la vie, ce n'est pas une décision à prendre à la légère. C'est une décision qui va influer sur ta destinée, qui va influencer ton avenir. Tu es avec quelqu'un, au moins si c'est un voisin, il est venu chez toi, on fait parler, chacun s'en chez lui. Mais lui là, quand tu dors, il est là. Quand tu te réveilles, il est là. Tu te brosses, il est là. Ça veut dire que si c'est quelqu'un qui t'énerve, tu seras énervé du matin jusqu'au soir, chaque jour. Tu vas avoir tension, crise cardiaque, tu vas te rendre malade pour rien. Pourquoi? Parce que le voisin, au moins, il est reparti chez lui. Toi, tu es chez toi, tu es seul, tu peux dormir. Mais c'est quelqu'un qui est dans tes pieds, dans ton corps chaque jour. Il est dans tes côtes. Si c'est quelque chose qui te donne le bonheur, tu vis le paradis avant le paradis. Si c'est quelque chose qui te donne le malheur, tu vis l'enfer avant l'enfer. C'est pourquoi, bien-aimé, on ne se marie pas au hasard, on ne se marie pas sur un coup de tête. On ne se marie pas en prenant une décision comme ça, ou bien on ne se marie pas pour cause de quelqu'un, il va aider ma famille à pouvoir avoir de l'argent, ou bien ça chauffe sur moi ici. Franchement, il faut que je prenne quelqu'un qui puisse m'aider à faciliter mes dépenses. Tu es mort, tu es morte.
Ça veut dire que tu t'es vendu, tu t'es livré. Non, il a dit, il va faire mes papiers, et puis on va m'envoyer à Washington, et puis c'est lui qui a payé ma maison de ma maman, mes petits frères qui vont à l'école, il va les scolariser. Ah, ça veut dire que toi-même là, tu t'es vendu en esclavage pour que le prix de ton esclavage nourrisse ta famille. Un esclave, il n'a plus droit sur sa vie. C'est son maître qui a droit sur sa vie. Et il y a des femmes comme ça, on les donne en mariage, pas parce qu'elles aiment le monsieur, mais parce que le monsieur là-bas a aidé la famille. Vous avez vendu votre fille, vous ne voulez pas donner en mariage. Parce que ce qu'il va payer là, c'est le prix de sa souffrance dans le foyer. Il y a des femmes qui souffrent comme ça. Elles vont rentrer grosses comme la salle. Tu les vois 3 mois, elles sont plus maigres que mon petit doigt. Elles réfléchissent, elles pensent. Même supporter même le monsieur qui va venir sur elle. C'est-à-dire elle-même là, c'est un supplice même. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son cœur qui a réagi, ce sont ses parents qui l'ont forcé à rentrer là-dedans. Donc une décision de mariage ne se prend jamais à la légère ni au hasard. Si vous avez fait ça, vous êtes mis la corde au cou, c'est comme quelqu'un qui a décidé de se suicider. Si tu ne vois pas clair dans l'affaire, abstiens-toi jusqu'à ce que tu vois clair correctement. Lorsque les choses sont claires devant toi, tu t'engages. Tant que ce n'est pas clair, même si ça dure 3 ans, il faut attendre. C'est une décision pour ta destinée, pour ton avenir, pour ton futur. Si tu dois vivre 100 ans sur la terre, que tu as pris une semaine pour y réfléchir, tu as 99 ans de souffrance devant toi. Il ne faut jamais prendre cette décision à la légère. Il n'a qu'à être beau, elle n'a qu'à être belle. La personne n'a qu'à avoir l'argent. Écoute, l'argent, là, c'est Dieu qui donne. Dieu prend l'indigent du fumier, le pauvre de la poussière pour le faire asseoir avec les grands. Tu ne sais même pas si demain Dieu a prévu même te rendre plus riche que l'homme qui est en train d'aider là. Tu ne sais même pas. Parce qu'il y a des femmes qui sont plus riches que leur mari. Il y a des femmes qui ont de l'argent. Il y a des femmes qui ont des biens. Il y a des femmes à qui que Dieu a rendu prospère, que Dieu a béni, qui s'occupent même, le monsieur même, elles ont les moyens plus que même le monsieur. Mais Dieu peut faire ça pour toi. Donc, tu n'es pas obligé que quelqu'un te tende la main. Toi-même, tu peux tendre la main à quelqu'un quand Dieu t'élève. Donc, ne regarde pas les quelques francs que quelqu'un va te donner pour brader ta destinée. C'est une décision à ne jamais prendre à la légère. On est en train de marcher un jour, maman et moi, on est arrivé quelque part. Et puis il y a une sœur qui m'a dit, ah papa, voici, j'ai pris telle personne pour fiancer. Une sœur qui m'a dit le nom. Et puis j'ai regardé, puis j'ai appelé maman. Il dit, maman, tu vois, ça va. Ça n'avait pas duré 3 mois. On n'avait pas rentré dans 3 mois. Je ne sais pas si c'est la semaine prochaine ou le mois prochain. On l'a vu encore. On dit, hé, hey, et ton fiancé, hé, hey, papa, voilà, c'est ça. On a plus ensemble. Il dit, maman, tu as vu. Toi, tu veux prendre Peugeot pour Mercedes, ça ne peut jamais coller. C'est une pièce adaptable, ce n'est pas une pièce originale. Ça ne peut jamais causer. Tu as franchi le premier niveau de la volonté de Dieu selon Romains chapitre 12, verset 2. Ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, c'est qu'un homme épouse une femme épouse un homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que lorsque tu te maries, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est agréable, c'est de se marier dans le Seigneur. Lorsque j'ai dit dans le Seigneur, ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui va à l'église. Parce que tu peux prendre quelqu'un qui va à l'église qui va avoir un comportement pire que le plus grand païen de ton quartier. Il va à l'église, mais il n'est pas converti. Il va à l'église, mais il n'est pas né de nouveau. Il va à l'église, mais il n'a pas encore été transformé. Il va à l'église, mais ses habitudes d'avant, les esprits d'avant, en sont encore en lui, n'a pas encore changé. Il a changé de lieu. Avant, il était chaque fois dans les bars. Mais maintenant, en cours de semaine, dans les bars, mais dimanche, il est à l'église. Il a changé d'emploi, dit dans ses tours. Lui-même n'a pas changé. Les esprits qui sont en lui ne sont pas partis. Son mauvais comportement, son caractère, la colère, tout ça, c'est là. Quand tu le vois à l'église, tu dis c'est un frère, c'est une soeur, c'est la carapace que tu as vue, c'est ce que Jésus appelle les tombeaux blanchis. Tu vois marbre blanc, bien joli, mais en bas là, c'est la pourriture, c'est cadavre, c'est os. Donc on te montre un bon aspect extérieur, mais l'intérieur là, le cœur de l'homme, aucun homme ne peut connaître si ce n'est pas Dieu seul. C'est pourquoi il est important de rentrer dans cette décision-là avec le Seigneur, parce que Dieu connaît le fond de chaque personne. Et Dieu sait que lui-là, il peut te rendre heureuse, mais lui-là, il va te laisser en chemin. Ou bien lui-là, peut-être que tu prends quelqu'un, peut-être qu'il y a 3 mois de vie, vous vous mariez, 3e mois, tu deviens veuve. Tu dois recommencer encore de nouveau mariage. Donc, il y a des chemins sur lesquels Dieu vous dit de ne pas partir, Dieu sait pourquoi. Dis, ah, papa, je l'aime, oh, c'est les os de mes os, les chants de ma chair, c'est pas les os de tes os. Ça veut dire qu'il te plaît. Mais ce n'est pas parce qu'il te plaît qu'il est ton mari. Écoutez-moi, tu peux aller en France et puis voir quelqu'un qui te plaît. Tu peux voir un Américain bien bronzé et puis il va te plaire. Tu peux voir un Français bien, il va te plaire.
Tu peux voir une entier avec un thé marron caca, il va te plaire. Mais ce n'est pas ça parce que tout cela te plaise. Mais il y a un qui est ton mari, c'est qui? Donc ce n'est pas parce que quelqu'un te plaît que tu te jettes dans ses bras. Ce n'est pas parce que ça chauffe sur toi, tu as du mal à payer ta maison, ton eau, ton courant, ou bien avoir tes papiers, ou bien aller dans un pays, que tu t'allies à quelqu'un pour qu'il t'aide à le faire. Tu t'es égorgé, tu t'es vendu, tu as vendu ta destinée. Parce que ça là-même, Dieu pouvait le faire pour toi autrement. Il n'avait pas besoin de passer forcément par lui. Dieu a des projets. Écoutez, il y a des situations que vous allez vivre aujourd'hui. Quand Dieu va vous donner de rentrer dans certains bonheurs, vous allez vous demander si c'est vous-même qui vivez ça ou bien c'est un songe. Parce qu'il y a des moments quand Dieu décide de te visiter là, tu sens que Dieu te visite. Mais auparavant, tu pleures. Il y a des gens qui ont commencé à pleurer, on a commencé à prier dans la situation, c'était chaud. Quand Dieu a commencé à les exaucer, ils ont commencé à rire. Il dit, ah, vous riez maintenant. Ce n'est pas vous qui êtes en train de pleurer au téléphone hier. Il dit, ah, papa, il dit, ah, d'accord, c'est comme ça que vous faites. Quand c'est chaud, vous dites, papa, où est le Seigneur? Depuis, je prie, mais Dieu, il est là seulement pour la voisine. Et moi, papa, non, mais qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu te bénit, maintenant, tu dis, hé, hey, Dieu, je vois que j'ai un grand Dieu. Quand tu as Dieu, quand tout va bien chez toi. Mais quand c'est chaud, là, tu dis, le Seigneur, il est où? C'est le voisin qui l'exauce et pas toi. Toi, tu es assis seulement au bonheur des autres. Attends ton tour. Dans la nature, là, chaque arbre a sa saison de production. Cette saison, tu vas voir peut-être des raisins a disparu. Attends un peu, ça va venir. Quand le raisin va disparaître, il y a un autre fruit qui va venir. Les fruits, là, ça vient par saison. Chaque arbre produit en sa saison. Toi, tu es un arbre. Tu n'es pas le même arbre que ton voisin. Lui, il a produit en sa saison. Attends ta saison. Quand tu seras en train de produire dans ta saison, il y a l'autre qui sera dans une saison où il ne produit pas. Mais il ne va pas dire, mais pourquoi toi, tu es béni en ton temps? C'est parce que ta saison est arrivée, que tu produis. Qu'il attend sa saison, il produira sa saison. Gloire à Dieu. Il y a une question avant encore? Oui, de la force. Mais là, c'est en vocal et la personne veut garder l'anonymat. Donc, j'ai fait passer le vocal et puis on va écouter. D'accord. Moi, je voulais savoir, quand tu veux faire poser la question pour moi. Tu peux reposer pour elle? Moi, j'envoie dans le groupe une chose, tu peux faire passer. Bon. Elle demande s'il y a une femme qui s'est mariée, elle est mariée légalement, et puis en fin de compte, elle se rend compte qu'elle a fait une erreur. C'est-à-dire le mari qu'elle allait prendre là, elle s'est rendue compte que ce n'était pas son vrai mari. Et maintenant, elle demande le divorce. Qu'est-ce qui s'est rendu compte ça? Comment? Ah, elle n'a pas donné le détail. D'accord. C'est pourquoi j'ai voulu faire passer. Maintenant, elle-même demande le divorce. Pardon à Dieu. Maintenant, est-ce que cette femme qui s'est rendue compte que son mariage était une erreur et qu'elle a divorcé, est-ce que cette personne peut obtenir le pardon de Dieu et que Dieu peut lui faire la grâce pour que cette personne rencontre une bonne personne? Bon, je crois que, d'accord, il n'y a pas de problème, on va venir la prier tout à l'heure. elle s'est mariée avec quelqu'un et puis elle se rend compte qu'elle a fait une erreur. Sur la base de quoi d'abord qu'elle se rend compte qu'elle a fait une erreur? Ça, c'est la première question à poser. Est-ce que c'est parce que elle et le monsieur ne s'entendent plus? Est-ce que c'est parce qu'elle est maltraitée? Est-ce que c'est parce que le Seigneur lui a révélé après qu'elle a dit un mauvais chemin, etc.? Sur la base de quoi d'abord elle reconnaît qu'elle a fait une erreur? Deuxièmement, elle demande à Dieu, est-ce que Dieu peut lui pardonner? Écoutez, c'est une réalité, une vérité que vous devez connaître, que vous devez comprendre sur le plan spirituel. Le pardon, et puis la conséquence du pardon, c'est deux choses différentes. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Une sœur peut tomber dans un péché d'adultère ou bien d'impudicité. Hein, je suppose, hein, et d'ailleurs c'est un péché, c'est pas bon, mais je prends un exemple. Et puis elle est tombée dans l'impudicité avec un frère ou bien avec quelqu'un. Les deux ont couché ensemble. Et puis, elle ne sait pas d'abord, hein, mais pendant le jour où ils ont couché ensemble, elle est tombée enceinte. Et puis elle s'en va demander pardon à Dieu pour dire, Seigneur, j'ai commis une impudicité, pardonne-moi, je suis désolé. Dieu va lui pardonner, non? D'accord. Dieu lui pardonne. Est-ce que c'est parce que Dieu lui pardonne que la conséquence de la grossesse la disparaît? Elle va assumer ça. Comprenez? Donc le fait de demander pardon à Dieu, Dieu il est miséricordieux. Si tu es sincère, Dieu va te pardonner. Mais les conséquences de l'action que tu as posée
Tu vas assumer. Quand c'est un simple, vous comprenez ça déjà. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que si elle demande pardon à Dieu, qu'elle est sincère, je crois que le Seigneur va lui pardonner puisqu'elle s'est répandue. Ça, c'est le pardon. Maintenant, est-ce que Dieu peut lui accorder de trouver quelqu'un d'autre pour lui donner dans sa vie? Ça là, c'est quelque chose qu'elle va régler avec le Seigneur. Pourquoi? Est-ce que c'est possible? Bon, il y a beaucoup de suppositions d'abord sur les... Ils sont divorcés. Ah, bon, elle dit que c'est lui qui a demandé le divorce, c'est pas elle. Elle vient de préciser ça. C'est le monsieur qui a demandé le divorce. Oui, c'est le monsieur qui a demandé le divorce. Donc, le monsieur et elle se sont mariés. Et elle a vu en cours de chemin qu'elle a fait une erreur d'accepter le mariage avec ce monsieur. Oui, quand ils sont arrivés en France, il a demandé le divorce. Quand ils sont arrivés en France. Ah, d'accord, donc ils étaient en Afrique. Lui, il est venu la fête. Lui, il est venu en Afrique et puis les deux sont partis. D'accord. Maintenant, là-bas, elle se rend compte qu'elle a fait une erreur et le monsieur lui demande le divorce. Ce n'est pas elle, c'est le monsieur. C'est le monsieur. Et ils sont allés à la justice, ils ont divorcé. Est-ce que Dieu peut lui permettre de pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre avec qui il va se marier, c'est ça? C'est ça. Je peux lui dire de prime abord, d'abord que Dieu fait tout. Amen. Dieu, là, il peut tout. Si c'est l'homme, si elle était d'accord pour rester avec le monsieur malgré son erreur, et puis le monsieur dit, je ne veux plus de toi, je te chasse de ma maison. Elle ne peut pas l'attacher pour dire, marie-moi forcé. Elle est obligée de partir, de sortir, etc. Parce que c'est deux personnes qui s'aiment, qui décident de vivre ensemble. Donc le monsieur ne la veut plus, peut-être le monsieur ne la supporte plus, mais les deux ne se supportent plus, etc. Elle ne s'entendait plus du tout, le monsieur même. Il ne s'entendait plus du tout. Donc le monsieur l'a chassé de la maison et le monsieur a demandé le divorce. C'est le monsieur qui s'est séparé d'elle. Elle tombe sur le coup de 1 Corinthiens chapitre 7 qu'on a lu la dernière fois. Si une sœur, une femme croyante, a un mari non croyant et que le mari consent à habiter avec elle, que la femme croyante ne répudie point son mari. Car la femme croyante et le mari est sanctifié par la femme. Mais si une femme croyante à un mari non croyant et que le mari décide de se séparer de la femme, qu'il se sépare, la femme est libre dans ce cas-là. 1 Corinthiens chapitre 7. Hein, qu'elle relie ça et puis ça sera clair dans son esprit. D'accord. Dieu nous bénisse. C'est bon, on peut y aller? Amen. D'accord. Amen. D'accord. Donc, aujourd'hui, nous allons faire des prières. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont des questions sur Internet, etc. Mais on ne pourra pas répondre. Il faille qu'on puisse terminer la prière. Et puis, s'il y a d'autres questions qu'on peut répondre, on verra. Donc, il est question qu'on puisse prier pour que Dieu localise la personne que Dieu a prévue pour nous par sa grâce. Parce que Dieu a pour nous des plans de bonheur, de paix et de bonheur. Mais l'ennemi a pour nous des plans de malheur et de désolation. Dieu veut nous élever selon Jérémie chapitre 29, verset 11. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, c'est des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu a des projets sur toi. Vous savez ce qu'on appelle un projet? C'est comme un programme que Dieu a fait sur toi. Tu dois devenir ministre à telle date. Tu dois épouser tel homme à tel jour. Tu dois faire ceci, etc. Donc ta vie, dans ta vie, il y a des choses que Dieu a planifiées pour que cela t'arrive. Donc Dieu a un programme sur ta vie. Tu es en train de t'inquiéter d'une affaire de mariage, de mari ou de femme, mais les choses ont été déjà planifiées devant le Seigneur. Il a déjà fait des projets sur toi, comme il a dit à Jérémie. Avant que tu ne sortes du sein de ta mère, je te connaissais déjà, je t'avais consacré prophète des nations. Donc l'ennemi veut voler ta joie, l'ennemi veut te mettre dans des problèmes, dans des difficultés, et il veut essayer de déstabiliser. Il ne peut pas empêcher Dieu de te bénir, mais il peut te mettre les bâtons dans les roues pour essayer de te déstabiliser et de te faire sortir du chemin de Dieu. Vous comprenez? Donc, il va vous pousser vers les mauvais choix. Comme Sarai a poussé Abraham dans les mains d'Agar. Ça, c'est quelqu'un qu'on a poussé dans un mauvais choix. Mais sa route n'était pas Agar, sa route était Sarai. Yes. Voilà. Donc, l'ennemi va essayer de vouloir mettre les bâtons dans les roues. Donc, il va envoyer ses agents
qu'on appelle les entremetteurs, c'est-à-dire que des agents de liaison, des personnes qui vont venir pour essayer de te mettre les bâtons dans les roues. Ça peut être des voisines, ça peut être des sœurs en Christ qui te donnent de mauvais conseils, ça peut être des démons, ça peut être des esprits de sorcellerie, etc., qui veulent t'empêcher de rentrer dans ta destinée. C'est pourquoi il faut faire très attention. Ce n'est pas tous les conseils qu'on écoute. Quelqu'un peut te donner un conseil rien que pour te faire tomber dans un malheur parce que ton bonheur, il ne supporte pas. Et il te voit heureux, il te voit heureuse. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer, comme si c'est ta camarade ou bien ton camarade, de te donner certains conseils pour dire, hé, copine, ça va, même façon, je vois, faut faire comme ça, etc. Ça sera bon pour toi. Mais la personne ne supporte pas ou bien est jalouse de ta condition parce qu'elle-même, elle n'arrive pas à posséder ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te conduire dans l'erreur pour que vous soyez tous la même chose. Quelqu'un a appelé ça la politique du crabe. Il dit, quand les crabes sont dans un panier et puis un veut monter, il y a l'autre qui attrape sa pince et puis il dit, nous tous, on va rester en bas, descend. Vous comprenez? Donc ici, quand vous montez, votre élévation ne plaît pas à tout le monde. Votre bénédiction ne plaît pas à tout le monde. Je vous le dis, les hommes sont très méchants. Quand vous serez en train de sourire, il y a des gens que ça va énerver. Quand vous serez dans une belle maison, il y a des gens que ça va énerver. Quand vous serez en train de prospérer, il y a des gens qui ça va énerver. Quand vous serez dans votre maison, il y a des gens qui ça va énerver. Si vous êtes bien habillé, il y a des gens qui ça va énerver. Si vous êtes dans votre voiture, il y a des gens qui ça va énerver. Si vous mangez bien, il y a des gens qui ça va énerver. Pourquoi? Si votre fiancé vous dort l'autre corner et que votre fiancé est avec vous, etc. Et puis elle, chez elle, chaque fois on la frappe, qu'elle va regarder ton foyer là, bien aimé, ça risque de faire quelque chose. Et comme elle ne peut pas prendre ton bonheur pour que vous tous vous ayez la même chose, on peut t'induire en erreur. Donc il faut faire très attention à tout ce que le diable envoie comme agent pour essayer de te sortir de ta bénédiction par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Papa, il y a une dernière préoccupation de la force. Oui. Ok, la dernière préoccupation de la force, c'est une sœur noire qui s'est mariée à un blanc. Et souvent, elle dit que les noirs rencontrent souvent ce problème-là. Le monsieur l'a prise, il a fini de l'épouser tout. Et maintenant, au niveau de la force, il lui interdit formellement de faire des enfants. C'est-à-dire, il veut rester avec elle dans le mariage, mais un mariage sans enfant. Donc, à ce niveau-là, elle veut faire des enfants parce qu'elle a la possibilité d'en faire. Mais le blanc qu'elle a épousé ou qu'il a épousé là, lui ne veut pas du tout d'enfants dans leur foyer. Dans ce cas-là, parce qu'elle aussi, elle ne veut pas aussi rester avec lui dans ce cas. Donc, par rapport à ça, ça a amené des embrouilles jusqu'à l'éveil et tout de séparation parce que lui, il a pris bien chic, bien gentil, bien, mais... Quand ils sont arrivés en France, elle a délogé de l'Afrique, elle est arrivée en France. C'est là-bas maintenant, lui fait savoir que lui ne veut pas d'enfant. D'accord. Donc c'est un peu ça. D'abord, il y a un problème de fondement. La femme, là, elle n'a pas prié. Le problème des Africains, ils ont un complexe que j'appelle le complexe de la colonisation. Ils ont tendance à croire que les Blancs sont meilleurs, que les Blancs sont les meilleurs amoureux, que les Blancs, ils savent traiter une femme. C'est une erreur. Les mêmes démons qui sont aux États-Unis, c'est eux qui se promènent en Europe, c'est eux qui viennent en Afrique. Il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas de démons anglais, il n'y a pas de démons britanniques, il n'y a pas de démons africains, il n'y a pas de démons européens. Un démon est un démon. Quand le diable est parti dans l'île de Job, il est parti devant Dieu. Dieu lui a demandé, Satan, d'où viens-tu? Il a dit quoi? Ah, d'accord. Il dit, il vient de parcourir la terre, de s'y promener. Donc les démons, là, il va envoyer un peu en Europe, un peu en France, etc. Les démons influencent les hommes, non pas par leur couleur, mais par le fait qu'ils soient des hommes et ils veulent les conduire en enfer. Mais je reconnais quand même qu'il y a une affaire d'éducation. Mais l'affaire d'éducation ne dit pas que tel peuple est meilleur qu'un autre. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que parmi ceux qu'on appelle les blancs, il y en a qui sont violents, il y en a qui sont infidèles, il y en a qui sont pédés, lesbiennes, il y en a qui sont braqueurs, il y en a qui sont insolents. Il y en a aussi qui sont respectueux. Le fait, c'est de tomber seulement sur la bonne personne, ce n'est pas une affaire de blanc. Il faut que les Africains se décomplexent de cette affaire de blanc. C'est un complexe de la colonisation, c'est une affaire de mélanine. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est une substance chimique qui est au niveau de la peau, qui régule le teint de chaque homme. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que je vais dire? C'est comme un portable. Vous mettez habillage bleu. Vous enlevez habillage bleu, vous mettez habillage rouge. Vous enlevez habillage rouge, vous mettez habillage noir. Est-ce que ça change le portable? Ça ne change pas le portable. C'est comme ça l'homme. Il y a des habillages. Eux, ils sont peut-être Samsung. Donc on a mis, sur ceux qui sont en Europe, on a mis un habillage blanc.
c'est le même Samsung là. Ceux qui sont en Afrique, on a mis un habillage noir, c'est le même Samsung. Ceux qui sont en Chine, bien quoi, ils ont mis un habillage jaune, c'est le même Samsung. Ceux qui sont aux États-Unis, ils ont mis un habillage rouge, c'est le même Samsung là. C'est l'habillage qui a changé, c'est le même Samsung. C'est une affaire de mélanine que Dieu a donnée à chaque personne. Et quand vous regardez bien, chaque peau est adaptée à chaque climat. Si les Européens, le climat, la peau qu'on a, bien aimé, même si le soleil vient dans la cafe, fait 40 degrés, on s'en fout de ça. Ça ne peut pas brûler africain. Mais si un Européen blanc, il vient dans quelques minutes, il est devenu rouge. C'est pas, ça peut, il ne peut pas trop supporter. C'est pourquoi ils sont tout le temps dans les zones de fraîcheur, dans la climatisation. Leur peau, là, ça ne peut pas. Regardez combien il est venu. Dans les chiffres, là, ça a tué combien de noirs et puis combien de blancs. Ils meurent là-bas en désordre. Dès qu'ils ont été nus, on dit hospitalisation, etc., réanimation. Vous comprenez? Donc Dieu a formé les hommes, chacun dans leur position géographique où se trouve et son teint, Dieu sait pourquoi il a fait comme ça. Eux, ils ont la fraîcheur. Nous, ici, on a le soleil. Nos cheveux sont courts. Vous comprenez? Et puis bien crépus, bien durs. Ça empêche les rayons du soleil de rentrer dedans. Chez eux, là, il n'y a pas trop de soleil comme chez nous. Donc leurs cheveux, là, c'est lisse, on voit leur cul chevelu. Tiens, vois ça en Afrique, ici, c'est chapeau, tu vas porter, sinon tu vas devenir chauve. Parce que ce que le soleil va te faire, tu ne vas pas reconnaître. Donc, ce n'est pas une affaire, on appelle ça le complexe de la colonisation. En amour, les Européens ne sont pas meilleurs que les Africains. Les Africains ne sont pas meilleurs que les Américains. Les Américains ne sont pas meilleurs que les Japonais. C'est une affaire d'éducation. Si vous avez un Européen qui est bien éduqué concernant le fait d'approcher une femme, vous aurez un bon mari. Si vous avez un Américain qui est bien éduqué dans la relation sentimentale, vous aurez un bon mari. Et vous, si vous avez un Africain qui est bien éduqué, vous aurez un bon mari. Mais le problème de l'Afrique, c'est aussi un problème d'éducation. Parce qu'en Afrique ici, on a appris aux Africains, comme le vieux Dula, à avoir la chicotte et puis à chicoter sa femme quand elle décolle. Mais les Européens n'ont pas cette éducation. Donc les femmes, elles trouvent les Africains brutaux, trop difficiles, trop durs, non sentimentaux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas romantiques. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment prendre la femme pour lui donner, pour la chérir, pour lui donner l'amour nécessaire. Parce qu'eux-mêmes là, ils sont nés de parents même qui sont. Eux, quand ils ont grandi, c'est ce qu'ils ont vu. Le papa a têté la maman, elle a couru pour aller prendre pilon. Elle a voulu prendre pilon, il a fauché quelque part, il a poussé dehors, il dit, il ne rentre plus chez moi. Donc ils ont grandi dans une éducation où. Le père, il est en train de maltraiter la mère. Donc les femmes africaines voient ça et puis elles voient une éducation avec des Européens qui respectent la femme, etc. C'est pourquoi plusieurs préfèrent les Européens parce qu'ils ont une culture de respect par rapport à la femme. Mais ça ne veut pas dire que tous les Européens sont comme ça et ça ne veut pas dire que tous les Africains sont comme ça. Mais la majeure partie des cas des Africains, étant donné qu'ils sortent d'une culture qui n'a pas appris vraiment à valoriser la femme, ils ne savent pas vraiment comment valoriser la femme. C'est pourquoi plusieurs femmes aiment les Européens, car ils savent comment prendre une femme. Ils savent comment l'aimer, comment la valoriser, etc. C'est ce qui attire très souvent nos sœurs. Mais ce que je veux dire, c'est leur culture, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que parce que c'est un Européen, que c'est un monsieur excellent. Il y a des Européens qui vont te faire souffrir mieux que même le villageois même que tu as laissé avant de partir en Europe. Pourquoi? Parce qu'il va te faire vivre quelque chose d'extraordinaire. Il y a des gens qui font la séquestration. Ils vont t'enfermer, ils vont te priver de nourriture, ils vont te faire certaines choses comme de l'esclavage. Pourtant, c'est des Européens. D'accord. Donc, ce n'est pas le fait de prendre un blanc qui fait qu'il t'assure que tu seras dans le bonheur. Il y a des blancs braqueurs, il y a des blancs violeurs, il y a des blancs agresseurs, il y a des blancs drogués, il y a des blancs très, très... C'est-à-dire, il y a les mêmes démons qui sont en Afrique sont là-bas. Assure-toi par la grâce de Dieu de tomber sur une bonne personne qui va connaître ta valeur, qui va te valoriser, qui va t'aimer, qui va t'accepter, qui va te chérir et qui va te mettre dans toutes les conditions nécessaires pour ton bonheur. Donc cette sœur-là, si je remontais à sa question, elle n'a pas prié avant de rentrer dans ça. Dieu lui aurait montré à quel genre de personne elle a affaire, parce qu'il y a des gens qui ont affaire à leurs enfants. Eux-là, ils veulent des femmes avec qui ils vont vivre seulement, ils ne veulent même pas entendre parler d'enfants. Vous allez vivre sur mon point bas. Oh, toi, tu n'as pas eu d'enfant, tu veux que tes enfants lui disent non. Lui, il te préfère comme ça, il t'aime, il veut te prendre comme ça. Enfin, l'enfant là,
Il ne veut pas l'entendre parler. Deux fois même, il y en a une, on m'a appelé de l'Italie. Son mari est italien, elle est sénégalaise. Il a prise. Et puis, ils ont prétexté, comme elle était malade quelque part, ils l'ont envoyé à l'hôpital. Ils lui ont fait une opération pour enlever ses ovaires. C'est l'utérus sur les ovaires. Elle ne savait pas. C'est à son réveil, elle dit qu'est-ce qui s'est passé. Ils lui ont raconté n'importe quoi. Et depuis là, elle n'arrive pas à faire des enfants. C'est après, maintenant, au fur et à mesure qu'elle s'est rendue compte. Et le monsieur lui dit non, pardonne-moi, etc. Mais je vais te donner la maison là, dans laquelle on habite. Maison peut remplacer toi tout ce qu'on t'a enlevé, ton utérus, mais tes ovaires. Même si on te donne château, un château peut se couler. Est-ce que château là, tu vas prendre ça sur ton dos si tu voyages pour venir dans ton pays? Tu ne peux pas. Vous comprenez? Donc, si elle a affaire à quelqu'un qui ne veut pas d'enfants, alors qu'elle veut des enfants, est-ce qu'ils sont déjà mariés? Marie, c'est en plein mariage, j'arrive à dire ça. Ah, c'est qu'elle a un problème très sérieux. Très, 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 très sérieux. Elle a le choix. Ou bien, elle fait des enfants, et puis le monsieur se la chasse, elle s'en va. Ou bien, elle reste comme ça, et puis elle garde son mari. Elle dit, c'est pas à cause de ça qu'elle est partie, en fait. C'est ça qui a mené le problème. Ils sont séparés. Séparés, mais pas divorcés. Ils étaient mariés. Mariés légalement, oui. Mariés légalement. Et le monsieur, il dit, il ne veut pas d'enfants. Et comme elle ne pouvait pas supporter ça, elle veut ses enfants, elle est partie de la maison. Et donc, sa préoccupation, c'est laquelle? Dans ce cas-là, si elle divorce, est-ce que Dieu peut encore lui permettre de se mettre avec quelqu'un d'autre avec qui elle pourra avoir sa vie normale, vivre normalement, en fait? Ils n'ont pas divorcé, hein? En tout cas, ils sont sur le processus, selon qu'elle m'a dit. En général, le divorce, c'est pour cas d'infidélité. Ils n'ont qu'à trouver une solution à cette affaire. Hein? Ils n'ont qu'à trouver une solution à cette affaire parce que les hommes donnent toutes les raisons pour ne plus rester ensemble. Il y a des gens qui disent non, la femme, c'est pas bien pour Paris, je la laisse. Dis non, elle ne peut pas faire enfant, je la laisse. Non, elle tombe trop malade, chaque fois, il perd trop de médicaments, je la laisse. Enfin, chacun a des arguments quelque part là-bas pour dire non, à cause de ça, je la laisse, à cause de ça, je la laisse. Quand c'est ce que tu dis, si Dieu disait, comme tu manges chaque fois, il te laisse, tu n'as pas rentré au paradis, tu n'as pas de problème. Donc, il y a des arguments, ça ne tient pas. Vous comprenez? On peut rester, comme on reste dans le cadre que la Bible a dit. Il y a deux cas de force majeure pour le divorce. Il y a la mort. Et puis, il y a la fidélité. Mais il peut y avoir séparation si quelqu'un, sa vie est exposée, sa vie est en danger. Peut prendre du recul, une affaire de séparation en vue de voir quelle serait la solution. Une séparation, quand je dis, c'est comme, comment vous appelez ça, séparation de corps. Voilà, la personne se met dans un autre endroit, peut-être que l'autre est devenue violente au point où chaque fois qu'on la bat, ses côtes se cassent, etc., on peut la tuer un matin. Donc il faut la retirer d'abord en attendant de trouver une solution pour ne pas qu'elle meure dans cette affaire. Elle est venue pour être heureuse, pas pour mourir. Donc, en général, ça rejoint les faux fondements. Les gens se marient sur des faux fondements. Soit parce qu'ils veulent aller en Europe, soit parce qu'ils veulent des papiers, soit parce qu'ils veulent une couverture, une sécurité sociale, quelqu'un qui a de l'argent qui va les aider à bien vivre, soit parce qu'on dise au quartier que, ah, franchement, moi j'ai eu mon métis, même mon américain, pour que toi aussi ça te donne de la valeur pour une raison ou pour une autre. En général, ça rejoint les faux fondements. C'est pourquoi j'ai dit que avant de prendre cette décision de mariage-là, vérifiez vos fondements, bien-aimés. Soyez rassurés que vous êtes sur un chemin sur lequel Dieu vous a conduit. Et si vous êtes sûr que vous êtes sur le bon chemin, alors Dieu vous aidera. Même si en cours de chemin, il y a des difficultés, le Seigneur sera au contrôle pour régler ça. Parce que vous deux, vous êtes en Christ et le Seigneur est au milieu de vous. Et chaque fois que quelque chose ne va pas, il prendra le soin de régler. C'est comme un papa. Ta fille et ton fils sont en train de se bagarrer, qu'est-ce que tu fais? Tu les appelles les deux et puis tu essaies de régler ça. C'est comme ça. Donc le mari et la femme ont des disputes, le Seigneur est présent, ils vont se confier à Dieu pour que le Seigneur apporte la paix et la solution dans la maison. Mais en général, ça part à partir des faux fondements. Nos sœurs et nos frères font des calculs humains pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent gagner en s'alliant à telle personne. En fait, c'est des calculs matériels de foi.
soit pour une affaire de voyage, soit pour une affaire de papier, soit pour une affaire d'argent, soit pour une affaire de prestige, etc. Et puis ils rentrent dans des choses et puis à la fin, ça les mélange eux-mêmes. Il est dit, je crois, Matthieu 15, 13, si mon Père, toute plante que mon Père céleste n'a pas lui-même plantée sera arrachée. C'est-à-dire, c'est là où Dieu n'est pas le fondement, la base. Ça va tenir un moment, mais après, ça va s'écrouler. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas le fondement. C'est pourquoi toute décision que vous allez prendre, que ce soit par rapport à un ministère, que ce soit par rapport à une église, que ce soit par rapport à quoi que ce soit, il faut faire attention. C'est pourquoi même avant de venir au Maroc ici, qu'est-ce que nous avons fait? J'ai pris, je ne sais pas, peut-être 3 mois en train de prier pour voir si ici, là, c'est ma route. Moi, je ne voulais pas venir. Quand maman a eu la révélation d'abord, j'ai dit, maman, j'ai compris, mais qu'est-ce que je vais aller faire au Maroc? Même mon ami aux États-Unis, il est américain, il a la nationalité, il a maison, il a tout. C'était mon voisin de chambre en cité universitaire. Il est américain aujourd'hui, il a fait peut-être, je ne sais pas s'il a fait 20 ans, mais 30 ans aux États-Unis. Il a tous les papiers, la maison, il a voiture, tout. Il dit, mais viens, j'ai maison, viens moi ici. Il cherche, il dit, allez aux États-Unis. Viens dormir dans ta maison, puis il me réveille, puis matin, il t'attend déjeuner. Il n'y a pas de travail là-bas. Mon ami, il faut rester là-bas. Le jour. Je veux aller en vacances. Je peux venir faire 2 semaines chez toi. On cause un peu. Et puis, il rentre chez moi. Mais il y a des gens là. Ils sont au Maroc ici. Il ne faut même pas terminer la phrase. On a fini le bagage. Pourquoi? Eh bien, on leur propose même pas ça. Mais moi, chercher mes routes en bas de l'eau. Avant de dire, mais j'allais faire la proposition. Mais depuis là, on parle jusqu'à. Il dit, mais c'est comment? T'as, j'ai un autre encore. Ils sont deux. Le premier dont je parle, lui, il travaillait avec les gens de, ça s'appelle quoi, GMC, General Motors, là. C'est-à-dire, ils vendent les grosses voitures, même. Il y a un autre, on était à l'université d'Abuja Djamé ensemble, il est parti, il était un peu prédicateur d'un auditorium. Aujourd'hui, il est rentré en médecine, parce qu'on a fait Abuja Djamé, il était en médecine, moi j'étais en sciences biologiques. Il est parti aujourd'hui, il a fait la médecine, et puis il a continué. Il est militaire américain. Il travaille à la Maison Blanche. Il est à la Maison Blanche où je suis en train de parler. Donc si elle m'avait, je dis c'est mon ami de fac, c'est un Ivoirien. D'accord, je dis pas son nom. C'est un Ivoirien. Il est à la Maison Blanche. Le gouvernement qui est parti là, il était derrière la Maison Blanche. Le gouvernement qui est là, il est à la Maison Blanche. L'autre là, c'est un businessman, mais il a des stations d'essence, il vend voitures, il a des camions. L'autre là, la Maison Blanche. Hein, quel problème? Si elle dit, allô, on parlait déjà il y a deux autres. Enfin, laissons ça tomber. C'est une parenthèse. Ça dit que si les circonstances sont réunies là, elle peut partir en Amérique, faire 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 3 mois. Il y a maison, il y a logement, il y a tout. Mais quand tu t'en vas là, est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que Dieu t'a envoyé? Il y a des gens qui vont dans des pays qui meurent là-bas. Il y a des gens qui vont dans des pays qu'on assassine. Il y a des gens qui ont l'argent dans leur pays. Ils vont tout, ils vont dans d'autres pays. Ils deviennent pauvres, misérables, ils perdent tout. Pourquoi? Parce qu'ils s'en vont sur un coup de tête. Dieu n'est pas avec eux. Ce n'est pas parce qu'on te fait une bonne proposition aujourd'hui que tu sautes dessus parce que ça te semble présentable. C'est pourquoi je dis même pour venir au Maroc, j'ai prié peut-être pendant près de 3 mois. Pour voir si Dieu est sur mon chemin. Quand j'ai senti ça, il dit, ok, maman, c'est bon, on peut partir. Et depuis qu'on est venu au Maroc, c'est par la grâce du Seigneur. Dieu est avec nous. Des personnes sont bénies, des personnes sont visitées. On a ouvert l'église, on est chez nous à la maison tranquille. Par la grâce du Seigneur Jésus, les gens ont l'impression que ceux-là, ils n'ont pas de problème, ils n'ont aucun souci, aucune inquiétude, tout va bien. Effectivement, tout va bien par la grâce de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que je ne suis pas venu sur un coup de tête. Dieu me donne ce qu'il faut, Dieu nous donne ce qu'il faut, et puis tout marche bien par la grâce du Seigneur. Très bien. D'ailleurs, quand on a des problèmes avec des gens ici en général, c'est parce qu'ils ont pris notre argent. Jamais quelqu'un s'est levé pour dire qu'on lui doit de l'argent. Jamais. En général, quand les gens nous cherchent là, c'est qu'ils ont notre argent dans leurs mains. Quelqu'un présentement qui nous doit 3 460 000. On est en train de régler ça depuis cette semaine. Il y a d'autres qui nous doivent 1 million, je ne sais plus comment on fait. Il y a des gens qui nous doivent de l'argent. Par la grâce de Dieu. Vous croyez que si j'étais venu comme ça et puis je me suis promené,
Dieu va dire, oh mon fils, tu es bien arrivé, sois béni. Ce n'est pas comme ça. Apprenez à écouter Dieu. Amen. Apprenez à suivre Dieu. Apprenez à marcher dans le chemin du Seigneur. Dieu sera avec vous. N'entrez jamais dans quelque chose au hasard, à plus forte raison votre mariage. Vous allez vous mordre les doigts. N'essayez jamais ça. Ce n'est pas parce que aussi quelqu'un, ton ami est pasteur, que toi aussi tu t'en fais église. Ce n'est pas parce que ta copine vient se marier, toi aussi le gars qui était derrière toi là, il ne te plaît pas, mais comme il y a longtemps tu cherches ça, tu dis bon, il a accepté quand même, il ne faut pas en dire que si vieille fille a accepté, au moins il y aurait un foyer, on en dit madame. Vous avez madame des malheurs et des problèmes, c'est de sentir rentrer. Parce que pour toi-même, être célibataire, c'était mieux avant que la vie de mariage que tu es en train de vivre. C'est pourquoi ne rentrez jamais dans quelque chose au hasard, jamais. Ne rentrez jamais dans quelque chose sans avoir consulté Dieu, jamais. Ne rentrez jamais dans quelque chose avec un mauvais fondement. Le mauvais fondement, c'est-à-dire que quelque chose où Dieu ne peut vous a pas envoyé, puis vous êtes rentré dedans, vous allez avoir un problème. Même quand vous voulez déménager, prendre une maison, il faut que la maison dans laquelle vous rentrez, là, votre âme sente ça. Ah, on vient de déménager récemment. Il y a plusieurs maisons qu'on voulait. Il y a des maisons, quand je rentrais, quand je franchis le seuil de la porte, j'ai senti des oppressions, j'ai voulu sortir, mais par respect pour ceux qui étaient à côté de moi, je me suis arrêté un peu, puis je suis sorti. Parce que la maison même me repoussait, elle dit, moi, je ne peux pas habiter ici. On nous envoyait dans un autre endroit, quelque part, je ne sais plus, sur la route de quoi, vers le voile d'autoroute, là-bas, vers Rabat. J'ai regardé la maison, j'ai dit, maman, j'ai prié une fois, deux fois, j'étais arrêté, le Seigneur ne me convainc pas la maison là. J'ai dit, maman, laissons ça. Elle dit, hey, papa, mais c'est joli, c'est pas grave, laissons ça. On nous a montré encore une autre, plusieurs maisons. Et puis un jour, on était assis. On a vu une annonce de quelqu'un qui avait une maison. On lui a demandé, il dit, venez. On allait regarder mon vieux, la maison la même là. Même si on te donne même ça pour 75 dirhams, tu as dit, tu veux pas. Ça veut dire que j'ai regardé la maison, puis il a regardé jusqu'à... Il dit, ouais, vous voyez, ici, vous allez mettre ça la cuisine. Ici, c'est la douche. Et puis, il regarde comme ça jusqu'à... Toi, si on te met, c'est la table, tu peux habiter ici. Non, en fait, ah! J'ai dit, bon, c'est pas quoi. Il dit, vous pouvez accepter une maison de tel montant. Il dit, même si c'est au-delà des montants que tu as dit là, montre-moi seulement, si ça me plaît. Écoutez, ayez, je ne sais pas comment je vais essayer ça. Dieu là, de toute façon, vous le prenez, c'est comme ça, Dieu vous, c'est ce que Dieu vous donne. Si vous croyez que vous pouvez habiter une chambre de 300 dirhams, c'est ce qui est bon pour que vous puissiez payer là. C'est 300 dirhams, Dieu va vous donner pour que vous payiez votre chambre. J'ai mis Dieu dans ma foi à un niveau où je crois par la grâce du Seigneur que je peux rouler trois Range Rover, mais un pied ici, puis une main ici, puis on roule, si je dois faire, si c'est possible. Dieu est capable. Où tu mets ta foi, où tu mets Dieu, là, c'est là Dieu te dépose. N'ayez pas peur pour dire, mais c'est trop, mais est-ce que moi je peux? C'est ça qui est ton problème. Parce que quand un fils ne vit pas dans sa poche, il vit dans la poche de son père. Quand tu vas à l'école, là, c'est ton papa qui paye, c'est pas toi. Ton papa, c'est Jésus. Jésus n'est pas limité financièrement. Il peut payer tout ce qu'il veut pour te donner. Le problème, c'est que tu ramènes tout à toi. Est-ce que c'est possible que je puisse? Tu ne fais plus confiance à Dieu, tu comptes sur toi. C'est ça qui fait ton blocage. Mais quand tu comptes sur le Seigneur et que Dieu voit que tu as confiance en lui, Dieu va ouvrir les portes. Parce qu'il honore celui qui l'honore. Quand tu as la foi dans le Seigneur pour dire, papa, je crois en toi, tu es capable. Il dit, voici mon fils. Il croit en ma puissance. Gabriel envoyé. Et puis, dis pas, viens. Mais quand tu ne crois pas et que tu te limites dans certaines choses, ah, franchement, je dis là, j'ai 1000 dirhams. Le matin, je vais prendre 2 dirhams. À midi, je vais prendre 2 et demi. Bon, ça finit, hein. Bon, si je mange ça, il va rester ça. Donc, 1 dirham, toi aussi. Ah! Il y a payé ma maison, quoi. Et donc, un dirham. Ça dit, c'est des calculs comme ça que vous faites. Ça dit qu'au point où vous ne pouvez même pas vous faire plaisir, même pour manger quelque chose, même pour boire une glace, même pour manger un hamburger, même pour manger quelque chose là. Tu as peur. Si tu as mangé ça, et demain, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. À chaque jour suffit. Toi-même, tu lis ça, mais tu ne vis pas. C'est ça qui fait ton problème. Crois en Dieu, crois que Dieu est capable.
On partait quelque part. Il n'y avait pas de place pour garer. Maman dit, il n'y a pas de place. Elle dit, maman, elle dit, il y a toujours place pour un pasteur. Quand il a tourné l'être, il a vu une place, il est garé. Elle dit, maman, il y a toujours place pour un pasteur. Je crois que si je rentre quelque part, on dit ça, on ne peut pas. Moi, elle dit, je suis pasteur. À cause de ce que je suis pasteur, il y a la place pour moi. On dit qu'ici, on ne rentre pas. Elle dit, il y a toujours quelque chose pour un pasteur. Et chaque fois que j'ai cru ça, j'ai ouvert la porte. Amen, amen, amen. Vous arrivez au Morocco Mall, là. Deux fois, c'est plein comme ça, il n'y a pas place. On dit, ah, il n'y a pas place aujourd'hui. Il dit, maman, il dit, il y a place pour un pasteur. On trouve place, on garde. Il faut croire. Et puis Dieu va faire pour toi. Gloire au Seigneur. Amen. Là où tu mets ta... On attend de sortir du message du mariage. Là. D'accord. Que Dieu nous bénisse. Amen. Là où tu mets ta foi, c'est là que Dieu t'exauce. Il ne faut pas te limiter, il ne faut pas limiter la main de Dieu. Tu sais, avec Dieu, là, il dit, celui qui ne reçoit pas le royaume des cieux comme un enfant, il ne peut pas y entrer. Mm-hmm. Avec Dieu, là, un enfant, tu lui dis, hé, hey, papy, toi, attends, hein, il veut payer l'avion à la boutique. Il t'attend. Lui, a fait des aéroports, des casas, des machins, caraba. Lui, il s'en fout de ça. Lui, il croit que son papa, là, il est tout puissant. Si papa dit, il veut payer l'avion, il va dire à ses camarades, vous, là, là, papa dit, va payer l'avion. Puis il attend l'avion. Toi-même, là, tu n'as même pas. Mais lui, il s'en fout de ça. Tu lui as dit que tu vas payer l'avion, il attend son avion. Le Seigneur dit, soyez comme des enfants. Croyez que Dieu est tout puissant, qu'il est capable. Et Dieu fera pour vous. Gloire à Dieu. Ne limitez pas le Seigneur. Ne limitez jamais Dieu. Ne limitez pas le Seigneur. C'est un de mes frères qui m'a révolutionné là. Il dit, lui restait, on doit 5000 francs dans la poche. Il a sa femme et son enfant à la maison. Je ne sais pas si c'est, on est peut-être au milieu du mois. C'est tout ce qui lui reste. Et puis il voit des gens à côté de la cible là, c'est quoi qu'elle a? Galerie du parc. Il voit des gens sur le plateau là, ils sont dans la galerie du parc, c'est-à-dire, ils mangent, ils boivent, ils disent, mais lui, il est comment, eux ils sont comment, et puis eux ils mangent là-bas, lui ils mangent pas là-bas. Il dit, non, c'est foutaise. Il est rentré là-bas, quand il a payé ce qu'il devait manger, il lui restait 500. Il a pris sa voiture, il est rentré à la maison 500. Jusqu'au lendemain là, un miracle s'est produit, là, il a eu l'argent encore. Et son comportement me choquait au départ. On est parti à Cap Sud. Quand vous rentrez à Cap Sud, en bas, là, il y a un café à l'entrée, là, en bas. Bon, pour ceux qui connaissent. Je vous dis, café, il a bu petite tasse de café. Elle est, elle est peur. On envoie la facture, il a vu 7000. Il s'est choqué. Je suis choqué. Qui dit, si tu as bu café 500, qu'elle m'a donné 6500, ça fait quoi? En ce moment, c'était chaud sur moi, merci beaucoup. En ce moment, c'était chaud sur moi, mais je traversais une crise bizarre. Vous savez, quand vous êtes dans le Seigneur, là, Dieu ne vous prend pas riche. Dieu prend l'indigent du fumier. Donc, les gens, dans leur témoignage, il n'y a jamais quelque chose qui est dangereux. Là. Il faut faire attention à eux. Hein. Eux, ils sont nés bénis. Ils sont nés à l'or. Non. Tu étais païen, puis tu es devenu chrétien. Tu étais riche et puis Dieu t'a fait pauvre. Tu étais malade et puis Dieu t'a guéri. Les gens dans les témoignages, il n'y a jamais de problème. Il faut se méfier d'eux. C'est les fabricateurs des témoignages. Et puis je le vois comme ça. Il dit, petit frère, il dit, on va commander. Tu vas prendre un poulet pour partir ou bien demi-poulet. J'ai hésité un peu. Et puis il a vu que j'hésitais. Il dit, non, t'inquiète pas pour le poulet laisse. Il sentait que... De toute façon, il a vu café, là, puis il m'a dit poulet là. Vous connaissez le prix d'un demi-poulet? Non, écoutez, tout ce que ça te dit là, peut-être que vous ne comprenez pas. Quelqu'un, son loyer, c'est 2000 dirhams, supposons. Hein. Et puis je t'envoie, vous connaissez Enfamol? Vous connaissez Casamol? Casa, c'est ça non? Campus. Le mol, là, on appelle ça comme ça. Morocco Mall, non? La corniche. Et puis il y a la corniche à Enfamol, vous ne connaissez pas? Bon, d'accord, il y a un autre mall qui n'est pas là-bas. Vous êtes dans la maison, ce moment, vous ne savez pas. Et puis je t'envoie là-bas. Et puis on s'assoit. Et puis tu prends un petit pain. Et puis on a un fromage dedans. Et puis on dit 7000 dirhams. Et puis il paye. T'as dit, François, tu as me regardé, alors que toi, tu dis, j'ai 2000 dirhams, paye ton loyer là. Yeah. Et puis, il t'a payé, ben, 7000 dirhams là. Tu as dit, papa, tiens, qu'est-ce que tu as? Papa, tu as quoi? Mais parce qu'il veut payer à 7000 dirhams, papa. Même si tu as payé ketchup, même à 10 dirhams là, donne-moi la monnaie, ça fait quoi?
Parce que tu es choqué de ce qui se passe pendant que tu as d'autres calculs. En ce moment-là, non. J'ai traversé une crise bizarre. Tout enfant de Dieu passe par une crise avant d'être béni. Regardez les témoignages de tous les prédicateurs, tous les hommes de Dieu, tous les chrétiens. Tu n'es pas... Non, Dieu t'enlève de la poussière pour te faire asseoir avec lui. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'aujourd'hui, il nous donne le désir de nos cœurs. Au-delà de notre espérance. Par la grâce de Dieu. Ah, Dieu nous donne... Je ne vais pas trop parler. Le déménagement qu'on vient de faire. On a quitté. On est parti dans un autre quartier. Non. Le quartier où on est parti, quand on a vu ça, maman a vu la maison, il dit, moi je veux ça, maman dit, elle veut ça. Il dit, ok, nos foi se sont accordées. On est parti à Belvédère. Vous connaissez Belvédère? On n'est pas loin de Casa Voyageur. Dans un immeuble. Dieu est fidèle. Amen. Non, c'est trop chic même, ma fille. Chic même le petit. Non, c'est. Ouais. Chic même le petit. C'est très bon en tout cas, par la grâce du Seigneur. Gloire à Dieu. Juste pour vous dire, croyez dans le Seigneur. Dieu est fidèle. Il y a des gens qui posent des fois des questions. Mais comment vous faites depuis telle chose? Ce n'est pas nous on fait. C'est Jésus qui donne. C'est pourquoi quand les gens qui payent, d'autres payent leur dîme, d'autres ils ne payent pas leur dîme, d'autres ils viennent à l'église, d'autres ils ne viennent pas à l'église. Moi, il les regarde comme ça. Il dit, maman, moi je ferai ma part. Je prêcherai la parole, j'exhorterai, je dirai payons la salle, payons ceci, payons cela, etc. Celui qui veut, il fait, celui qui ne veut pas, il n'a qu'à laisser. Dieu bénit chacun selon l'action qu'il pose. Et puis c'est devant, maintenant vous avez fait le bilan. Si tu as obéi à Dieu, Dieu donne pour toi. Tu n'as pas obéi à Dieu, tu as pour toi aussi. On est pratiquement passé 2 mois. Il y a un mois où c'est maman et moi, on a payé le loyer. Le deuxième mois, je ne sais même plus combien, qu'est-ce qu'on a donné, je ne sais plus. Même ce mois-ci là, ce n'est même pas encore complet. Si les gens n'ont pas payé, on va payer encore. Écoutez, celui qui sème là, c'est lui qui... D'accord. Vous ne comprenez pas comment Dieu bénit certaines personnes parce que c'est des personnes qui s'investissent pour Dieu. Et quand tu t'investis pour le Seigneur, Dieu te bénit. C'est pourquoi quand quelqu'un fait calcul, etc., il dit non, moi j'ai donné... Maman a vu certains des enfants, elle les a croisés à Morocco Mall, à Zara, en train de payer des vêtements de marque. Mais quand on vient à l'église ici, là, le loyer n'arrive pas. Puis il m'assoit, il dit, ah, chrétien, toi tu vas à Zara, à Morocco Mall pour payer à Bi. Et puis l'église, le loyer n'est pas payé. De maman paye, papa, c'est... Donc je regarde et puis je dis, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que toi, ta priorité, c'est ton corps. Plus que Dieu lui-même. Mais comment est-ce que tu vas prier pour que le ciel s'ouvre? Ça sera compliqué. Parce que tu montres à Dieu que toi, ton intérêt, là, c'est ta chair. Ça n'est pas Dieu. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Là où est ton cœur, là sera ton trésor. Gloire à Dieu. Bon, passons. On doit passer à la prière par la grâce du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi je dis, celui qui veut payer sa dîme, qu'il paye. Celui qui ne veut pas payer, il n'a qu'à garder son argent. Celui qui veut donner son offrande, qu'il donne. Celui qui ne veut pas donner, qu'il garde son argent. Celui qui veut participer, qu'il participe. Celui qui veut participer, qu'il garde son argent. Même sur les directs que nous faisons, je dis celui qui veut soutenir le ministère, qu'il soutienne. Celui qui ne veut pas, qu'il garde son argent. Dieu bénira chaque personne en fonction des actions qu'il pose. C'est comme ça. Posez des actions de sorte que le ciel s'ouvre sur votre vie et que Dieu vous bénisse. Tu as peut-être 1 million dans ton compte. Et puis l'église a problème des 1 000 francs. Pendant que toi tu as 1 million. Comment tu veux que Dieu ouvre le ciel pour que les choses se passent bien? Si tu prends dans tes 1 million, tu prends 1 000 francs pour donner à l'église, il manque des 1 000 francs là. Qu'est-ce que ça va t'enlever? Mais chacun sait son argent et ses projets. Il y a des gens qui ont des projets de Canada, d'autres dans des projets de Mexique, d'autres dans des projets de mariage, d'autres dans des projets de fabrique, je sais pas, de commerce, d'autres dans des projets. De beaucoup de choses, puis chacun sait son argent. Puis il dit, Dieu, bénis-nous, hein, mais ta maison, nous, on s'en fout. C'est pas possible. Que Dieu nous bénisse. Allons-y. Hein? Ok. Donc nous allons faire la prière par la grâce de Dieu afin que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est blocage à notre avancement par la grâce de Dieu. Donc il ne faut jamais se comparer aux autres et il ne faut jamais regarder les autres parce que les autres se marient. Toi aussi, tu vas dire te marier.
faut jamais te comparer aux autres. Il faut regarder le plan du Seigneur pour ta vie. Pour ne pas que Satan mette des hommes ou des femmes sur ton chemin pour t'éloigner de Dieu. Par la grâce du Seigneur. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont déraillé parce qu'elles n'ont pas écouté Dieu. Elles ont laissé Satan les dérouter du chemin du Seigneur. Donc nous allons prier par la grâce de Dieu afin que nous puissions recevoir. Nous allons commencer par Matthieu chapitre 7, verset 9 à 11 qui dit « Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci demande du pain ? Ou bien celui qui demande un poisson lui donnera-t-il un serpent ? Si donc mauvais, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison notre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent ?» Et en Matthieu 7, 7, il dit « Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. » Donc nous allons prier par la grâce du Seigneur, afin que les portes s'ouvrent par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. D'accord. La première prière, ce sera la prière pour tous ceux qui sont célibataires, toutes celles qui sont célibataires, tous ceux et toutes celles qui sont célibataires. Nous allons nous mettre en jambes par la grâce de Dieu, parce que ce sont des prières de proclamation, des prières de déclaration, des prières d'exaucement par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Ce sera des prières avec lesquelles tu vas proclamer. Bon, auparavant, j'aimerais que tu rentres dans un temps de prière pour dire à Dieu de te sanctifier, de te purifier, de te pardonner. Si avec quelque chose qui est un frein, un blocage à ton exaucement ce soir, que le Seigneur te purifie, que le Seigneur te sanctifie, que le Seigneur te pardonne et que le Seigneur enlève cela de ta vie et de ton chemin, prions le Seigneur au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, maillon de pleurs, chakarababa. Il maillon de priorité, il maillon de priorité, chakarabababa. Oh, Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, agis puissamment. Agis puissamment, Papa. Agis puissamment, Jésus. Agis puissamment, Seigneur. Oh, my God. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Oh my God. Il est mighty pour chaque maillon de paix. Au nom de Jésus-Christ. 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 Seigneur, agis puissamment. Seigneur, agis puissamment. Seigneur, agis puissamment par ton peuple. Agis puissamment pour tous ceux-là même qui sont là dans cette salle. Agis puissamment pour tous ceux-là même qui sont en train de suivre ce direct et tous ceux-là même qui prendront ce direct en ligne. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Dieu de gloire, interviens. Étends ta main puissante, Seigneur. Amen. Étends ta main puissante, Seigneur. Tu m'as déclaré avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Je veux m'unir. Je veux m'unir. Seulement. Seulement. Avec la personne. Avec la personne. Que tu as choisi pour moi. Que tu as choisi pour moi. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Dans tous les domaines de ma vie. Dans tous les domaines de ma vie. C'est pourquoi je viens vers toi. C'est pourquoi je viens vers toi. Pour que tu me conduises. Pour que tu me conduises. Et que tu conduises. Et que tu conduises. Mon âme sœur vers moi. Mon âme sœur vers moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta volonté. Que ta volonté. Soit accomplie dans ma vie. Sois accompli dans ma vie. Seigneur. Seigneur. Toi qui révèles les mystères. Toi qui révèles les mystères. Les choses cachées et profondes. Les choses cachées et profondes. Montre-moi. Montre-moi. Ce que tu as prévu pour moi. Ce que tu as prévu pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Montre-moi. Montre-moi. La personne idéale. La personne idéale. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Je me soumets à toi. Oh Seigneur. Tu es mon Père. Tu es mon Père, mon guide, et mon conseiller, Père, la personne, ou les personnes que je croise, que je fréquente, et qui me fréquente, Seigneur, montre-moi, la personne, idéale. Au nom de Jésus, par la puissance de ton esprit. Révèle-toi à moi. Permets-moi de voir au-delà de ce que je peux voir avec mes yeux physiques en recevant ta parole. Montre-moi
montre-moi le chemin. Enseigne-moi la voie que je dois suivre. Dirige-moi selon ta volonté. Car tu es mon sauveur. Ne laisse aucune des paroles tomber par terre. Seigneur, révèle-moi la bonne personne. Seigneur, conduis-moi ton peuple vers la bonne personne. Seigneur, dirige la bonne personne jusqu'à ton peuple. Au nom de Jésus. Par la puissance de Dieu. Je proclame dans le nom de Jésus que je me marie et que je fonde une famille. Ouvre les portes pour le mariage, pour ma famille. Je suis disponible et prêt. Car tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas aussi bon que la femme soit seule. Seigneur, révèle-moi et amène mon âme sœur, ma destinée est liée à mon futur conjoint. C'est pourquoi je veux une personne qui vient de Dieu qui me rapprochera de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce que tu as préparé pour moi. Éternel Dieu, tu es mon berger. Tu diriges mes pas. Que tous les pouvoirs sataniques m'empêchant d'attendre et d'accepter les conseils de Dieu soient paralysés au nom de Jésus. Je recommande à l'Éternel mes œuvres, car je sais qu'avec Dieu mes projets réussiront. Seigneur, je veux être en phase avec toi avec le plan que tu as prévu pour moi au nom de Jésus libère la personne que tu as prévu pour tes enfants au nom de Jésus je détruis toutes les barrières sataniques qui m'empêchent de rencontrer l'homme de ma destinée Seigneur, envoie tes anges pour se battre et libérer les futurs conjoints peu importe où ils sont peu importe où il est retenu au nom de Jésus qu'ils soient libérés et qu'ils viennent vers eux au nom de Jésus que toutes les portes ouvertes pour ton peuple en confessant ou en commettant des péchés qui retardent l'arrivée de leur âme sœur se referme maintenant au nom de Jésus je prie que tous les ennemis de leur mariage soient paralysés et chassés au nom de Jésus Rien ne séparera ce que Dieu a mis. Père, localise mon futur conjoint que tu as destiné et envoie cette personne dans la direction au nom de Jésus. Je sais qu'il y a un temps pour toutes choses Seigneur en son temps envoie mon âme sœur au nom de Jésus je crois que je retrouverai cette personne et que cette personne me retrouvera au nom de Jésus je proclame dans le nom de Jésus moi son futur conjoint je l'appelle pour qu'il sorte de l'obscurité que le voile qui l'empêche de venir vers tes enfants que le voile qui l'empêche de la voir soit consumé au nom de Jésus et que tout ce qui crée
la confusion soit brisée et chassée au nom de Jésus. Père, donne-lui la vision spirituelle pour qu'il puisse prendre des décisions qui lui permettent de se rapprocher de moi et non de s'éloigner au nom de Jésus. Toute arme fabriquée contre moi pour me faire du mal n'atteindra pas son but. Je détruis avec le feu tous les plans de l'ennemi contre mes fiançailles, contre mon mariage, contre mon futur conjoint. Au nom de Jésus, je renonce, je refuse, je casse et j'annule tous les plans sataniques et diaboliques dans ma vie et dans la vie de mon futur conjoint. Au nom de Jésus, je déclare que tous les décrets, les alliances et les contrats sataniques sur le futur mariage sont nuls et sans effet. Au nom de Jésus, Seigneur, que cette personne même comme Jésus-Christ a aimé l'Église, qui me rend digne et irréprochable de me tenir devant toi. Je prie, Seigneur, pour que cette personne même comme si j'étais son propre corps, et qui me fasse passer avant ses propres besoins, au nom de Jésus, que cette personne s'engage envers moi de tout son cœur, de toute son âme, et qu'elle m'aide à avancer au nom de Jésus. Seigneur, que cette personne m'accompagne dans mon développement spirituel, matériel, financier. Au nom de Jésus, Seigneur, confirme-moi la bonne personne pour que je sois sûr que cette personne que tu as choisie sera devant moi. Au nom de Jésus, Seigneur, ne me laisse pas m'attacher à une mauvaise personne. Au nom de Jésus, je proclame que tout problème spirituel de mari de nuit, de femme de nuit, qui m'empêche de rentrer dans ma bénédiction, soit vaincu au nom de Jésus, par la puissance de Dieu. Je renonce à tous les pactes, toutes les alliances entre mon futur conjoint et moi, que j'ai tissé de manière consciente. Oh my God, my God, les sorts, les malédictions utilisées contre
utilisez par le mari de Dieu, par le mari de la femme de Dieu, par la femme de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me débarrasse de toutes les possessions, de toutes les possessions, du mari de Dieu, de la femme de Dieu, la femme de Dieu, les couillons, les habits, les habits, les bêtes de mariage, les bêtes de mariage, et tous les autres accessoires, je me débarrasse, au nom de Jésus, je prie, que toutes ces possessions, soient détruites par le feu, au nom de Jésus, que tous les liens, entre la femme de nuit, le mari de nuit, mon futur conjoint, détruit par le feu, au nom de Jésus, tout mariage, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, j'annule
J'annule toute incantation, prononcée. Je suis ma vie, je révoque toute parole, le poids de malédiction prononcée. Sur ma vie, je condamne toute l'homme méchant, prophétise, maintenant moi, et j'ordonne désormais mon nom devient brûlant dans la bouche de quiconque voudra prononcer la malédiction de Jésus. Au nom de Jésus, toutes les mauvaises paroles sont sans effet dans ma vie, tout homme fort, tout homme fort, contre mon mariage, lâche prise, au nom de Jésus, je marche sur ta puissance, je marche sur tes soeurs et mes frères, je déclare, car ton Dieu aujourd'hui ne peut plus me lire, au nom de Jésus, j'appelle la paix à la manifestation. Dans ma vie, j'appelle à la manifestation des plans divins d'accomplissement, de mariage et d'enfantement. Dans ma vie, au nom de Jésus, j'appelle à la manifestation la personne que Dieu a pour moi. Que cette personne se localise au nom de Jésus. J'ordonne que cette personne se localise au nom de Jésus. Je déclare, je décrète dans le nom de Jésus mon bonheur et ma bénédiction depuis la dot, le fiançailles, le mariage, le foyer, au nom de Jésus. Par la puissance de Dieu, je me marie, et j'ai des enfants, et les enfants, qui viendront Dieu, au nom de Jésus. Père, je te rends gloire, pour la victoire que tu me donnes sur tous les ennemis de mon mariage, de mes fiançailles, de mon foyer. Au nom de Jésus, je suis libéré de toute oppression démoniaque. Je suis libéré de toute malédiction de famille. Au nom de Jésus, par la puissance de Dieu. Je proclame, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je suis libre, je suis libre et libéré, par la foi, au nom de Jésus, je libère, mon mariage, Dans le nom de Jésus, par l'onction, et la puissance de Dieu, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que je crois, que ma dot est libérée, et bénie, que mes fiançailles sont libérées, et bénie, que mon mariage est libéré, et bénie, que ma maison est libérée, et bénie, que mon foyer est béni, tout esprit impur, qui contraignait mon mariage à ne pas venir à l'existence, est brisé, chassé, tout esprit impur, qui combattait mon mariage, est brisé, chassé, dans le nom de Jésus, je proclame l'onction de Dieu, je proclame la puissance de Dieu, je proclame la libération de mon mariage, dès cet instant, mon futur conjoint est libéré, dès cet instant, mon futur conjoint est localisé, dès cet instant,
Parce que plusieurs personnes, lorsqu'elles sont en difficulté, leur premier réflexe, c'est de se séparer. Mais on oublie que Dieu est avec nous. Quand ta voiture en panne, tu ne la jettes pas, tu cherches à la réparer. Et donc, lorsque nous sommes dans un foyer bien-aimé, que ça ne va pas, il faut prier pour que Dieu nous aide. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui sont là, qui sont déjà dans un foyer, ou bien tous ceux qui ne sont pas dans un foyer, qui sont dans un foyer qui ne va pas bien, qui nous suivent en ligne, ou bien tous ceux qui sont ici, qui sont dans un foyer qui ne va pas bien, nous avons fait une prière pour la restauration, puisque nous sommes dans le cadre du mariage, ceux qui sont déjà mariés, ou bien ceux qui sont déjà en couple, ou bien ceux qui vivent déjà ensemble quelque part, et dont les relations ne marchent pas bien, ou bien pour lesquels ils ont voulu une restauration de leur foyer, nous allons prier par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, je viens humblement devant toi. Au nom de Jésus. Pardonne-moi. Pardonne-moi de ne pas toujours t'avoir accordé. La première place. Merci Seigneur. Pour ton amour. Et ta fidélité. Je te rends grâce. Pour ma vie. Toi qui entends ma prière. Dans le nom de Jésus. Seigneur. Je viens devant toi. Pour que le couple. En difficulté. Soit restauré. Seigneur. Tu bénis l'union. Et par le mariage. On devient une seule chair. Seigneur. Que les projets de paix. Et de bonheur. S'accomplissent dans le foyer. Je crois fermement. Seigneur. Que ta grâce. Est au rendez-vous. Pour la restauration. Des foyers déstabilisés. Seigneur. Étends ta main. Je remets, Seigneur. Tout mariage. Et les mariages. À tes pieds. Que l'esprit de vérité. Se révèle à chaque personne. Et que la restauration. Du mariage. S'opère. Que tout esprit. D'orgueil. De discorde. De dispute. Soit chassé. De toute rancœur. Colère. Toute amertume. Toute animosité. Dans le couple. Soit brisé. Et chassé. Que le pardon mutuel s'installe. Et que la communion. La communication reprenne. Seigneur. Siège. Au milieu des couples. En difficulté. Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur. Que la restauration s'opère. Que la flamme soit réanimée. Et que le foyer soit restauré. Dans le nom de Jésus. Seigneur. Éloigne les mauvaises compagnies. Et apporte les bonnes compagnies. Au nom de Jésus. Que toute la famille. Et tous les enfants. Qui ont suivi. Les problèmes. Ne soient point affectés. Au nom de Jésus. Je déclare. La restauration. Des mariages. Je détruis. Toute œuvre satanique. Séparant tes enfants. Au nom de Jésus. Par la puissance de Dieu. Je proclame. Et je déclare. Qu'il en est ainsi. Au nom de Jésus. Par la puissance de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que la grâce du Seigneur soit avec nous. Amen. Voilà. Pour ceux qui sont ici avec nous, avant de vous adresser à ceux qui sont loin sur Internet, chacun va passer à tour de rôle qui va s'arrêter là. On va prier pour cette personne. C'est vrai que nous avons fait des prières générales, mais il y a des gens qui ont des problèmes personnels. À tour de rôle. Des problèmes individuels par rapport à leur situation. Fermez les yeux, vous levez les mains. Lève les mains vers le trône de Dieu. Tous ceux qui sont là-bas, nous allons aussi prier pour chacun par la grâce du Seigneur Jésus-Christ.
tout ce qui est blocage d'enfantement, tout ce qui est blocage de fiançailles, de mariage, tout ce qui est blocage de foyer. Parce qu'on va prier pour toi aussi après. Le Seigneur dit, il te sera fait selon que tu fais. Donc la façon dont tu veux qu'on prie pour toi, pour que ça aille chez toi, prie pour ton frère, prie pour ta soeur par la grâce du Seigneur. Nous allons prier pour chaque personne afin que le Seigneur se souvienne de chacun et de chacune au nom de Jésus-Christ. Nous allons lever la main vers lui et nous allons prier. Je vais compter à trois. Nous allons déclarer sur sa vie que tout ce qui s'élève contre ses fiançailles, son mariage est détruit et que la grâce de Dieu sa vie. 1, 2 et 3, nous prions. Seigneur, au nom puissant de Jésus, Seigneur, tu as agi pour les amants de ton fils. Je tends ta main, Seigneur. Nous réclamons, Seigneur, sur sa vie les ouvertures, papa, du mariage, des fiançailles, les déblocages. Tout ce qui est contre sa vie sentimentale, Père, nous détruisons cela au nom de Jésus. Nous prions que tu tends ta main puissante, Seigneur. Tu agis puissamment, Père. Tout blocage à sa fiançaille et à son mariage, nous prisons cela au nom de Jésus. Nous prisons cela au nom de Jésus. Nous prisons cela au nom de Jésus. Nous détruisons, nous paralysons au nom de Jésus. Père, tu agis puissamment pour sa vie. Tu agis puissamment pour sa vie au nom de Jésus. Merci Seigneur, car tu le fais. Oh my God. Il n'y a pas de problème chaque année. In the mayo pro shakara ba 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 ribo bo 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 au nom de Jésus, 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 que toujours d'esprit impur, toujours de la malédiction soit brisé dans le fire, que tout œuvre d'esprit mauvais soit cassé au nom de Jésus, pour les portes, pour les fiançailles, au nom de Jésus, que Dieu bénisse ta maison. Et que tout ce qui est obstacle opposition soit au nom puissant de Jésus. Que les portes s'ouvrent pour toi. Que la grâce et la faveur de Dieu t'accompagnent. Au nom de Jésus. Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Prochain. Allons-y, allons-y, allons-y. Bien aimé. Le Seigneur dit, tu seras jugé dans la façon dont tu juges ton frère, ta soeur. Approche-toi un peu. C'est pourquoi nous allons prier pour elle aussi par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Tout ce qui empêche ses fiançailles, son mariage, son foyer, son enfantement, sa bénédiction, tout ce qui empêche la grâce de Dieu dans sa vie. Bien aimé, nous allons prier, prendre autorité afin que tout ce qui est blocage soit chassé, que la grâce de Dieu soit sur elle et que le Seigneur nous ouvre les portes. Nous prions au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous prenons autorité contre toute opposition. Nous détruisons les oppositions contre sa vie sentimentale, sa vie conjugale. Tout esprit de génération, de famille qui s'élève contre sa destinée, contre son mariage, contre l'aboutissement de sa vie, de sa destinée avec l'homme de sa destinée. Nous détruisons l'opposition. Nous appelons maintenant à elle son mari au nom de Jésus. Nous appelons à elle l'homme de sa destinée. Nous appelons à elle l'homme de sa destinée. Au nom de Jésus, nous brisons les liens. Nous détruisons les empêchements. Nous paralysons les empêchements. Nous renversons les empêchements. Nous détruisons les obstacles. Au nom de Jésus, nous brisons la malédiction. Nous renversons les forteresses. Nous cassons les empêchements, les oppositions. Au nom de Jésus. Maillon de pelouse, chakra, ba. Fire! Fire! Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il maillon de l'eau, chakra, ba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la grâce et la faveur de Dieu t'accompagne. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Reçois la grâce. Au prochain. On peut aller rapidement, s'il vous plaît. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il faut que les choses soient correctes. Oh my God. Là où tu n'arrives pas, là où tu n'arrives pas, où ce qui est bloqué, de ta bénédiction conjugale, que à partir de ce soir, lorsque tu vas partir, que cela n'existe plus au nom de Jésus. Nous allons tendre la main vers elle et nous allons prier aussi pour elle afin que tout ce qui est obstacle à son mariage soit brisé, chassé, que la grâce de Dieu repose sur elle, que le Seigneur lui ouvre les portes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous prenons autorité contre toute opposition à sa vie conjugale, toute opposition à son foyer, toute opposition à sa vie sentimentale, toute opposition à cette fiançaille, toute opposition à son mariage. Nous brisons les liens, les oppositions, les esprits de génération, les esprits de famille. Nous brisons cela, nous paralysons, nous neutralisons, nous enlevons l'opposition, nous brisons l'obstacle, nous
détruisons l'opposition. Nous détruisons la femme. Au nom de Jésus, elle reçoit maintenant son mariage. L'homme de sa destinée vient à elle. L'homme de sa destinée vient à elle. L'homme de sa destinée vient à elle. Au nom de Jésus. Oh my God. Au nom puissant de Jésus. 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 Au nom de Jésus, le joug est brisé. Le joug est brisé. Le joug est brisé. Le joug est brisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous libérons. 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 Nous libérons ton mariage. Au nom de Jésus, tu reçois la grâce du mariage. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Au suivant, au suivant, au suivant, au suivant. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Oh my God. Que tout ce qui est blocage, obstacle à son mariage soit détruit. Que le Seigneur lui ouvre les portes. Que Dieu localise son conjoint. Et que merci le Seigneur fasse le miracle au nom de Jésus. 1, 2 et 3, nous prions. Au nom puissant de Jésus, Père, nous prenons autorité contre toute opposition à sa vie de couple, à son mariage, à ses fiançailles, à sa vie conjugale, à sa vie sentimentale. Toute opposition est brisée. Nous brisons l'opposition, nous détruisons les obstacles. Nous enlevons les célibats. Nous appuyons maintenant sa vie, l'homme de sa destinée. Il arrive à elle et elle se marie. Au nom de Jésus, toute opposition est brisée. Toute opposition est paralysée. Toute opposition est brisée. Tout esprit de génération, de famille est brisé, est chassé, est détruit, est renvoyé dans les lieux arides. Elle reçoit la grâce de son mariage. L'homme de sa destinée vient dans sa vie. Au nom de Jésus, nous appelons maintenant les ouvertures sur le plan conjugal, les ouvertures, les ouvertures, les ouvertures. Au nom de Jésus, les ouvertures, les portes du mariage s'ouvrent. Au nom de Jésus, merci Seigneur. My God. In my own glory, shakara ba 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 ba. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Saint-Esprit. Merci Seigneur. Tu agis puissamment pour sa vie. 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 Père, tu disposes la grâce du mariage au nom de Jésus. Amen. Au suivant, au suivant, au suivant. Oh my God, au nom de Jésus, 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 nous prenons maintenant autorité, nous prenons autorité maintenant, toute opposition contre sa vie, nous détruisons, au nom de Jésus, nous prenons autorité maintenant, tout esprit de génération, tout esprit de famille, tout esprit d'enfoutement, qui a-t-il lancé contre sa vie, à l'instant même, nous prenons autorité, nous annulons, nous paralysons, nous déprogrammons toutes les paroles qui ont été déclarées contre sa vie, toutes les paroles d'envoûtement, nous détruisons cela maintenant. Je brise les liens, je brise les liens, je la déchaîne des chaînes où elle est enchaînée. Maintenant même, l'âme de sa vie arrive à elle, son mari arrive à elle. La son âme sœur arrive à elle. Au nom de Jésus, la connexion arrive. Au nom de Jésus, pour un mariage vrai et durable. Au nom de Jésus, merci Seigneur, quand tu le fais. Au nom de Jésus. Oh my God. Au nom de Jésus. Père, les ouvertures arrivent dans sa vie. Les ouvertures de la vie conjugale. Les ouvertures du mariage. Les ouvertures du mariage. Les ouvertures du bonheur conjugal arrivent à elle. Au nom de Jésus. Père, tu agis pour sa vie. 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 Au nom de Jésus, nous brisons les blocages. Nous brisons les empêchements. Nous détruisons les oppositions. Elle reçoit la grâce du mariage. Son homme arrive à elle. Au nom de Jésus. Et elle se marie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Au suivant, au suivant, au suivant, au suivant. Nous allons tendre la main vers elle, nous allons prier le Seigneur. Alléluia. De son village, de sa famille, mais des esprits
tout ce qui est blocage à son mari. Oh my God. Et proclamer la grâce de Dieu sur sa vie. Au nom de Jésus, nous prenons autorité contre tout esprit de génération. Depuis son village, sa famille, toutes les oppositions à son partenaire conjugal, tout mari de nuit, tout esprit de mari de nuit qui se lève contre sa vie est brisé, est paralysé, est chassé. Au nom de Jésus, j'invoque le feu de Dieu. J'invoque le feu de Dieu. J'invoque le feu de Dieu. J'invoque la foudre de Dieu pour consumer, pour consumer, pour paralyser, paralyser toute opposition, toute opposition, tout blocage, tout blocage, tout obstacle est renversé, est détruit au nom de Jésus. Oh my God, Seigneur, tu agis puissamment. Seigneur, tu agis puissamment. Père, tu agis puissamment. Ouvre les portes du mariage, les ouvertures sur sa vie. Elle reçoit son mariage. L'homme de sa vie arrive à elle avec la bague. Au nom de Jésus, la bague de mariage, sa robe de mariage, le jour de son mariage, le jour de ses fiançailles. Nous débloquons tout cela. Au nom de Jésus, Père, tu agis puissamment. Au nom de Jésus. Oh my God. Rikinti mighty chini mayo de pray. Riba ba 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 ba. Ini mayo de lore kinti mighty chini mayo de pray. Au nom puissant de Jésus. 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 Père, tu agis puissamment. Tu lui accordes ta faveur. La faveur conjugale. La faveur du mariage. La grâce du mariage. Au nom de Jésus. Au suivant, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous allons tendre les mains vers elle par la grâce du Seigneur Jésus. Nous allons prier que tous ceux qui ont péchement à sa bénédiction conjugale, à sa bénédiction sentimentale, au nom de Jésus, que ceux qui ont péchement à son mariage soient détruits et chassés, et que la grâce de Dieu repose sur elle pour lui ouvrir les portes. Au nom puissant de Jésus, Père, Seigneur. Éternel Dieu des armées, Père, nous prions maintenant que tu étends ta main puissante, Seigneur, sur la vie de ta fille. Toute opposition contre sa vie conjugale, contre ses fiançailles, contre son mariage, tout esprit de génération, esprit de famille, toute opposition à sa vie conjugale est brisée, est paralysée, est détruite, est chassée. Au nom de Jésus, Père, tu agis pour sa vie. Tu donnes ta main sur sa vie, Seigneur. Tu ouvres la porte au nom de Jésus. Tu ouvres la porte du mariage. Tu ouvres la porte du succès. Tu ouvres la porte du mariage. La porte du sommet au nom de Jésus. Nous détruisons, nous détruisons, nous détruisons les oppositions. Nous détruisons les oppositions. Nous détruisons les oppositions à son mariage. Nous détruisons les oppositions à l'homme de sa destinée. Tu amènes jusqu'à elle l'homme de sa destinée. L'homme de sa destinée, Dieu lui demandait le mariage. L'homme de sa destinée arrive à elle pour le mariage. Toute opposition est brisée. Tout esprit de génération est brisé. Toute opposition est paralysée. Toute attaque est brisée. Au nom de Jésus, nous appelons maintenant la grâce du mariage. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus. 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 Amen, amen, amen. Au suivant, au suivant, au suivant. Au maillon de l'eau. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit car tu agis puissamment. Merci Seigneur car tu agis puissamment. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prenons autorité contre tout esprit de génération, tout esprit de famille, toute opposition, tout obstacle, tout esprit qui s'élève contre son mariage, contre ses fiançailles. Nous prisons cela, Seigneur, tu apportes l'homme de sa destinée. Tu apportes l'homme de sa destinée. L'homme de sa destinée vient jusqu'à elle pour lui demander le mariage, pour demander sa main. Au nom de Jésus, nous paralysons tout esprit d'opposition. Nous renversons les obstacles. Tout esprit de famille, tout esprit de génération, tout esprit d'opposition, tout esprit de sorcellerie est paralysé, est détruit, est chassé, est foudroyé. Au nom de Jésus, nous invoquons maintenant le feu. Le feu, 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 détruit et paralysé toute opposition à sa vie.
place du mariage, l'homme de sa vie arrive maintenant à elle. Toute opposition est brisée. Laisse Seigneur, quand tu le fais, au nom de Jésus, 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 Père, tu ouvres les portes sur sa vie. Au nom de Jésus. Père, tu ouvres les portes sur sa vie. Les portes du mariage. Les portes des ouvertures, Seigneur. Les ouvertures du mariage. La grâce du mariage, papa. Tu apportes, Seigneur, ta faveur, ta grâce sur sa vie. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au suivant, au suivant, au suivant. Amen, amen, amen. Oh my God. Merci, Seigneur, quand tu le fais. Alléluia. 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 Au nom de Jésus, nous prenons autorité contre toute opposition. Tout esprit de génération, tout esprit de famille, tout esprit de sorcellerie qui se lève contre son mariage, qui se lève contre ses fiançailles, qui se lève contre la femme de sa destinée, nous détruisons cela. Seigneur, tu guides ses pas vers la femme que toi-même tu as choisi pour lui. Tu guides ses pas vers la femme de sa destinée. Tu diriges ses pas vers la femme de sa destinée. Tu le conduis, Seigneur. Tu le conduis et tu disposes cette femme à accepter, Seigneur. Tu disposes et tu prédisposes quelque chose. Au nom de Jésus, nous prenons autorité contre toute opposition, tout blocage, toute attaque est brisée. Fire, le feu, le feu. Oh Seigneur. Je proclame sur Amen. Au suivant, au suivant, au suivant. Personne maintenant, tu vas tendre la main vers lui et tu vas réclamer la grâce de Dieu sur sa vie. Tout ce qui empêche son mariage, ses fiançailles. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prenons autorité contre tout esprit de génération, tout esprit de famille, tout esprit de sorcellerie qui se lève contre sa vie est brisé, paralysé. Toute opposition contre sa destinée, contre son mariage, contre Seigneur ses fiançailles, nous détruisons cela, papa. Nous prions, Seigneur, pour la femme de sa destinée. Tu la préserves également. Tu la protèges également. Au nom de Jésus, Père, je prie que tu tends ta main puissante. Je 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 tends ta main puissante. Nous renversons. Nous renversons. Nous détruisons, nous paralysons, nous renversons, nous détruisons, nous paralysons tous les obstacles contre sa vie, tous les obstacles contre son mariage. J'appelle la grâce du mariage, le mariage à sa vie. Au nom de Jésus, oh merci Seigneur. Maillon de l'Orishakarababa, Père, j'appelle l'ouverture, les ouvertures du mariage, les ouvertures du mariage, les ouvertures du mariage. Père, les ouvertures du bonheur conjugal, 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 au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Quand ta grâce, Père, le localise et localise la femme de sa destinée. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu nous bénisse, amen. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Amen. Que la main de Dieu repose sur la vie de chacun et de chacune. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Nous avons terminé ce moment par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons fait une proclamation. Dis avec moi, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Il me fait reposer. Dans de verts pâturages. Dans de verts pâturages. Il me dirige. Il me dirige. Près des eaux paisibles. Près des eaux paisibles. Il reste en mon âme. Il me conduit. Il me conduit. Dans les sentiers de la justice. Dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent.
tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ointuis ma tête et ma coupe déborde. Cette onction d'huile, ma coupe déborde. Par cette onction d'huile, je vois ta gloire. Par cette onction d'huile, ta grâce m'accompagne. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Moi et mon conjoint, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu soit manifestée dans la vie des uns et des autres. Amen. Que Dieu nous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec nous. Amen. Amen. Je vous laisse avec maman. Amen, 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 amen. Qui a reçu la grâce de Dieu ce soir? Amen. Bien-aimés, nous avons prié ce soir et sache que Dieu a ouvert sur toi les portes. Quand nous prions, nous croyons en ce Dieu qui agit. Donc les liens qui étaient lancés contre toi pour ne pas que tu rentres dans ton foyer ont été brisés aujourd'hui. Alléluia. Amen. Pour ceux qui sont au travail, le dimanche par la grâce du Seigneur, je ne sais pas si papa va prolonger encore samedi. Parce qu'en principe, samedi, nous devons être encore ici, mais on va vous confirmer. Mais le dimanche, nous allons encore prier pour renforcer les choses. Amen. Et Dieu va faire son travail, bien-aimé. Nous avons pratiquement fini ce moment de ce soir. Pour tous ceux-là même qui nous suivent en ligne, que la grâce de Dieu aussi soit avec vous. Ceux qui sont ici, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes à la conclusion de ce moment. Samedi, nous aurons la consultation prophétique. Cette émission que nous faisons, où nous permettons à tous ceux qui se posent des questions sur leur vie, de nous appeler en direct en ligne. Quelle que soit la préoccupation que tu as, tu appelles sur le numéro WhatsApp et par la grâce de Dieu, l'homme de Dieu va te donner la réponse du Seigneur. La Bible a dit, allons voir le prophète car le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Bien-aimé, quand souvent tu te poses des questions que tu ne comprends pas, il faut consulter un vrai homme de Dieu. Et c'est cette émission que nous faisons chaque samedi pour empêcher les gens, parce que les gens s'en voient les féticheurs, pour avoir des réponses. Et les féticheurs les mentent. Mais nous, nous parlons de la part de l'Éternel à ceux-là même qui se posent des questions. Donc samedi, nous avons rendez-vous de prière et d'orientation spirituelle. Dimanche, nous sommes ici à partir de quelle heure? 9h30. Alléluia. Nous invitons le peuple de Dieu du Maroc à honorer l'heure de l'Éternel et à être à l'heure au culte bien-aimé pour recevoir la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je pense que pour ce jour, nous avons pratiquement fini. Voilà, ceux qui aimeraient faire quelque chose ce soir, comme ce que mon fils vient de faire, vous pouvez aussi faire. Voilà, nous avons pratiquement fini pour ce soir. Nous allons finir avec le direct. Et en nous ici donner quelques informations. Je pense